crée un groupe, pense. Ah mais ouais, mais on attend pas les autres pour le groupe, t'as qu'à faire hein. Non mais ils rejoindront. Oh. Ah mais non mais après il faudra refaire. Ouais venez on va en mondial, attends. Ouais vous avez raison, vous avez raison. Je tag mondial et vous rejoignez ou... Vas-y tag. Oh. Et il y a Ultia et Antoine et Angle Droit qui vont venir bien sûr. Pourquoi elle est pas là Ultia, elle a une bonne raison. Je sais pas moi. Ok. Par contre il y a un truc, c'est que du coup on va pas pouvoir faire d'équipe vu qu'on est 7. Oh. Ah ça va être chacun pour sa gueule je pense ce soir. Chacun pour sa le gueux. Ouais. Chacun pour sa le gueux, tu connais. J'adore le rap. Ouais. Moi c'est bon, je suis rentré dans une game, vous pouvez tout à fait me joindre. Je te join. Joignez-moi. Oh, l'autre console ne peut pas accepter davantage de connexion. Ah, ça veut dire que JD a essayé de me join. Mais non, il y avait déjà étoile en premier. Bah oui, il y avait étoile, ouais. J'étais pas dedans. Ah, moi j'ai en spectator là. Ah bah moi je suis pas, je peux pas rentrer. Mais y'a pas de problème. T'es en spectate, mais je suis même pas en game. Bah je te spectate quand même. Je sais pas. Ok. Ne vous inquiétez pas, en attendant, je peux m'occuper. Qu'est-ce qu'il va faire, Yves? Okay, c'est-à-dire, bon. On va aller sur Plaine Donut 3. Oh non. Ouais, drôle de gueule quand même. Hein. Oh là là, je vais aller sur Plaine Donut 3 me régaler. Est-ce que t'aurais pas envie de te faire un énorme 400 mètres là, Ryu, quand même? Oh, 400 M là. Est-ce que tu sais. Non, mais en ce moment, j'ai une vie exceptionnelle. Je joue à FIFA tard la nuit, à 4h du matin, et je regarde des reportages sur des peintres bulgares et des peintres des pays de l'Est. Ok. Et je fais ça en boucle. Du coup, j'ai appris un peu le processus créatif de certains peintres lettons, et c'était vraiment énorme. Mais ça va, bro. Mmh. Mais tu sais que ma vie est énorme en ce moment. Bah, c'est vrai que t'as plus les cours, ça doit te mettre juste ultra bien en vrai. Mais tu sais que en ce moment, il y a pas mal de fois où je me lève à 8h du matin en stress. J'ai pas fait pour demain ou... Ça m'est arrivé deux fois cette semaine où je me lève à 8h et je commence à machinalement prendre mon pantalon pour m'habiller et aller en cours. Et après, ah ouais, à ce point-là. Mais je te jure, ça m'arrive. Le mec est condensé. Je suis conditionné. Tu sais, genre, je me lève et je me dis putain. Et après, je me dis oh ouais. Oh ouais. Let's go. Let's go. Juste let's go en fait. Juste les JV en fait. les JV. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Oh, je peux te dire que la seule chose qui me préoccupe, c'est le florilège de Bigard là. Le florilège de Bigard que... Oh putain, Ponson, on en parlera de cette vidéo. C'est une vidéo exceptionnelle. J'arrive pas du tout à regarder Bigard. Eh ben alors, ce n'est pas vraiment Bigard. En fait, c'est un condensé de 3 minutes où quelqu'un a, entre guillemets, mixé tous les moments un peu d'insultes de Bigard. Ah mais si, mais c'est super connu. Si, mais je connais. Mais moi, je connaissais pas. Et j'ai fait Nuit de la Culte avec MV hier. Et il m'a parlé de cette vidéo. Tout à fait. C'était la vidéo qui a fait les transitions de Nuit de la Culture et c'était énorme. Oui, mais je la connais cette vidéo extrêmement gênante où c'est juste un enchaînement de Bigard mis bout à bout où il y a que des trucs horribles. Ah, mais vraiment, c'est... L'enfer. Oui. Et cette pute. Ah. Je vais manger les nichons. Mais toi, Rive et JD, vous connaissez pas cette anecdote exceptionnelle. En fait, il y a quelques années, j'étais dans le public de On va se gêner, qui était l'émission de Laurent Huquet où Jean-Marie Bigard était chroniqueur. Et attends, dans le public de quelle émission? De On va se gêner. Ah oui, On va se gêner, bordel, mais oui. D'ailleurs, j'ai croisé Laurent Ruquier à Levallois l'autre soir. Voilà, ah oui. Il partait de Webedia et je l'ai vu, il prenait son chien. C'est tout, voilà, fin d'année. Ok, il est à Leval. Il est à Leval, complètement. Okay. Alors, il m'a pas reconnu, donc j'étais assez gêné, mais sinon, tranquille. La suite. Non, je rigole. J'étais dans le public, du coup, d'On va se gêner, c'était une émission en radio. En fait, l'émission était tournée le matin et. Et j'allais le matin et après j'allais en cours. Et ça m'arrivait d'y aller de temps en temps. Et en fait, il faut savoir que Jean-Marie Bigard est diabétique de type 1, comme moi. C'est-à-dire en fait, il a des stylos et tout pour se piquer, quoi. En fait, moi à l'époque, j'étais pas encore sous perfusion, j'avais pas de pompe dans le bras, du coup, je me piquais avec des stylos. Et pendant l'émission, je dégaine mon stylo pour me piquer. Ben, ça m'arrive, c'est des fois, tu te fais des petits regains d'insuline. Et il y a des gens de la prod qui me regardent en mode tiens, un peu, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et Bigard, il prend la parole pendant le... Enfin, genre il enlève son micro et il crie dans la salle « Ah, c'est juste des piqûres d'insulte comme moi, il va pas se le mettre dans le cul, vous inquiétez pas !» Et il a dit... Super. Et il a dit ça et j'étais en mode « Ah, mais quel être humain exceptionnel !» Le sang de la veine. Il a vraiment sorti ça? Mais oui, mais il est exceptionnel. Il est là, je suis en mode « Ah ouais, très, très bien joué. » C'est vraiment un grand homme. Hein. C'est un grand homme dans l'abus total. C'est vraiment une grande personne. Écoutez, au cas où si quelqu'un n'avait pas vu que je mettais des piqûres d'insuline,
T'es passé pour un camé le temps d'un instant. Bah, j'avoue, ouais, c'était un peu bizarre. Ça met un peu tous les regards sur toi quand même. Hein. C'est que c'était un enfer, moi j'étais là tranquille. Ultra gênant, genre. Non, mais je suis juste en fait diabétique en gros. En gros, je suis malade, frère, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de cul, je sais pas quoi, c'est. Vraiment une maladie, frère. Je crois qu'il y a le mec du rang numéro 1, il est en train de se mettre en sale chaud. Pour envoyer la sécurité ou pas. Là, il est en train de tomber, là, il tombe de l'œil. Je crois que c'est. Ouais, c'est. T'es très c'est bien vu, ça. Très bien vu. Putain. Je suis addict à Pleine de Notes. En vrai, Pleine de Notes, c'est génial, non, moi je l'adore. Elle est incroyable cette map. Oui, mais après, de là à être addict et à voter que ça, je sais pas. Non, mais je rigole, je vais la voter une fois. Et je des gens disent dans mon chat, je vais pas gâcher votre soirée. Bigard. Le Panthéon pour Bigard, s'il vous plaît. Victor Hugo, Bigard. Let's go. Victor Hugo, Bigard. Alors ? Pas vraiment de différence. Hein. Pas vraiment de... Je ne vois aucune différence entre ces trois artistes. Ah, il y en a un qui a écrit Les Misérables, l'autre qui a écrit Les Enculés. Yes. Oui, écoutez, j'ai peur des chauves-souris, c'est bon. Écoute, écoute, la différence n'est pas non plus une zèque, quoi. Ça va, quoi ? Ça va ! Ça va, on va pas commencer à nous casser les burnes. D'ailleurs, c'est marrant parce que au mariage de mes. Ça, c'est... En parlant de Bigard, hein, parce que j'ai une autre anecdote de Bigard. De... Alors, moi, j'ai jamais vu. Ouais, alors, c'est fou. Alors, j'ai jamais vu Bigard, hein, pour le coup, j'ai jamais fait de vanne comme ça. Mais pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents, j'avais refait le sketch de la chauve-souris. Mais genre, j'avais. Quoi ? Merde ! Non ! C'est terrible ! Non ! C'est terrible. Non ! C'est terrible ce que tu nous annonces là. Ah non, non, non. Alors j'étais à ce moment-là, j'étais un enfant manipulé, évidemment mon père m'avait poussé pour faire. Bien sûr, bien sûr. Oh le malaise. Ce n'était pas de ton ressort finalement. Alors sachez que les gens ont beaucoup ri, mais avec le recul, n'était-ce pas par simple politesse, je ne sais pas. Ah non, c'était parce qu'ils étaient gênés gros, tout simplement. Attends, c'est quoi, je vais appeler ma mère, je vais lui demander. Je vais lui demander en direct si elle répond à Yolande. Pour lui demander si quand même le sketch de Bigard, les gens avaient vraiment rigolé. Ah mais je pense que Yolande va juste répondre ils ont rigolé mais ils étaient très gênés ou ouais, un ouais, truc ouais, comme ouais, ça c'est sûr. Je vais lui demander, je vais lui demander. Je vais appeler ma mère, je vais lui demander parce que c'est vrai que ça me traumatise un petit peu cette histoire. Putain en ce moment merci beaucoup Kiro. Ma mère elle regarde un peu Twitch tu vois pour connaître un peu le milieu et tout. Et c'est trop trop drôle parce qu'elle m'envoie des analyses hyper poussées sur les différents streamers en mode oh mais son contenu est exceptionnel tu vois. Genre, sérieux mère, elle, ça me récale. Ma mère elle a regardé Zerator et elle me dit putain elle le connaît un peu. J'ai vu qu'il y avait des faux GHM du coup donc elle le connaît un peu. Et elle me disait souvent non mais Adrien on ressent de l'expérience dans sa diffusion. On ressent que ça fait plusieurs heures qu'il travaille dessus effectivement. Toi elle t'appelle le gars gentil à lunettes, je tenais à te le dire. Ok. Ok, donc ma particularité c'est d'être gentil à avoir des lunettes quoi. T'es gentil, t'as des lunettes. Nez, là. Et en fait elle a regardé un peu le Ponce la nuit avec Samuel Etienne, elle a trouvé ça hyper bienveillant. Je ah nice. Elle a beaucoup aimé. Elle a... Ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Écoute, je pense que c'est une fleur. C'est une fleur mais c'est. C'est possible. C'est plus. Bah, tu sais c'est qui le streamer préféré de ma mère ? Ma mère est K-Corp. Ah c'est Kameto ? Ah, ouais. Ma mère est K-Corp. Ma mère. Cassez maman. Vraiment, ma mère a des fumigènes bleus chez elle. Genre vraiment, elle. Let's go. Elle lance des fumigènes. Genre, pour ça lui arrive. Bonjour. Coucou, tia. 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 Ul. Tia. Tia. Ul. Tia. Ul. Tia. 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 Non, on te passe le bonjour, Ultia. Non, non, on te. Tia. Tia. Ul. Tia. Tia, Ultia, tia, Ultia, Potiron. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, je sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport. Potiron, Ultia. Ça n'a aucun rapport en fait. T'as jamais cuisiné du potir ? Mais si, j'avais fait une soupe de carottes, non ? Bah c'était voilà, ça c'était ça, c'était soupe carotte. C'était velouté de carottes avec un fond de potiron pour donner de la rondeur au goût. Ah oui, donc d'accord, tu dis oui, c'est pas au hasard quoi. Non, c'est pas au hasard, je suis technique. Vous allez bien ? Ouais, et toi ? Ouais, j'avoue que je suis fatiguée. Ah ! Aïe, aïe, aïe ! Ouais, bah en fait, j'ai stoppé mon stream et puis je me suis dit, bah je vais manger et tout et me reposer un peu avant de lancer pour ce soir. Et en fait, je suis flitoxée, quoi. Flitoxée, ouais, quoi ? T'as un petit coup de barre. Je suis épuisette. Ouais. Je suis épuisette. T'as trop fait la bamboche. C'est quoi cette expression de mort ? C'est quoi l'expression ? C'est quoi cette mort ? Putain, le joueur de Tonon les Bocs ! T'as trouvé la bamboche !
La bamboche. C'est une expression à la mode maintenant, hein, chez les plus de 50 ans. La mode, ouais. La mode, ouais, bien non, sûr. Mais en vrai, c'est, je sais plus quelle politique, et avec le Covid, il a dit la bamboche, c'est terminé. La bamboche. Ouais, ouais, bon, mais j'ai jamais utilisé. Enfin, la Nouba, quoi. Ouais, voilà, la Nouba. C'est la Nouba. Ah, la Nouba, j'adore. La Nouba, j'adore. Qui a fait la Nouba cette nuit? Mais nous, Nouba, on l'utilisait hein, quand on était jeunes avec les potes, en vrai. Non, c'est pas vrai. Si, je te jure, on disait, ouais, on va faire la Nouba toute la nuit. Si, je te jure. Mais non, mais c'est vrai. Bah quoi, vous avez jamais utilisé Nouba? T'avais 80 ans, du coup. Mais vous avez jamais utilisé. Mais quoi, Nouba, c'est vieux pour vous? Moi, j'adore. Un button. Oui, Nouba, gros. La Nouba. Mais nous, on utilisait ça vraiment avec mes potes, genre tout le temps. Nouba, mais pour ça, autour d'une bonne partie de tarot, là, ça régalait. Ah, bah exactement. Ma grand-mère disait ça. La... Ah ouais, mais bon, moi, pour moi... Elle est déjà nue seulement, hein, mais... Bah, je sais pas. Elle est déjà nue seulement, oui. Non, mais... Donc là, t'es en train de me dire que sérieusement, tu débarques en soirée et tu dis on fait la Nouba ici et y'a personne qui te vomit dessus. Ah non, moi, même tous mes potes étaient en mode let's go la Nouba. Let's go. Je te jure. C'est... Non, mais je vous jure que c'est vrai. Tu faisais la Nouba quand tu faisais ton service militaire, c'est ça? Mais ouais, non, mais en fait, même Nouba, j'ai cru... Tu sais que même quand j'étais au lycée, je croyais que Nouba, c'était un vrai mot à la mode. Genre j'étais en mode, je disais à d'autres personnes, ouais, bah on a fait la Nouba toute la nuit, et... Quoi? Je te jure, C'est hyper yesterday. Excuse-moi, d'accord. Excuse-moi, bien sûr. Ouais, tiens, tu boucles le rendez-vous de 17 à 18h. T'es tellement yesterday. T'es tellement yesterday. Ce jour-là, elle était avec moi, un homme tellement petit. Ouais, quel film de fou. C'est fou. Les Oscars, c'est passé sous le radar des Oscars. Quel dommage. Quel fatal exceptionnel. Oh là là. Au pantalon. Micro pénis. Voilà. Viens t'asseoir devant la légende. Désolé les fleurs, je suis en full réglage son. J'essaie de un peu uniformiser. Tout le monde n'a pas de compresseur, du coup je galère. Mais vous en faites pas, je m'en sors. Merci à l'anonyme pour le subgift, c'est très gentil. Actanos pour le 3e mois, merci Slow l'épicurien aussi, c'est très gentil. Merci Jorgin pour le prime, Fritchy pour le subgift bien public aussi, merci à toi. Et Elinarvana pour le 7e mois, merci beaucoup. J'essaye d'égaliser le son, vous en faites pas. C'est vrai, c'est possible. Elle a alerté tout le monde, ne lui répondez surtout pas, il va parler du sketch de Bigard, ignorez-le. Ignorez-le, il va reparler de ça. Aïe, il vite fermer sa gueule. T'as réussi à avoir ta mère au téléphone? Non, justement, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi il faut ta mère au téléphone? Parce que parce qu'on parlait de Bigard tout à l'heure avec Rayen, et donc on disait tout à l'heure que moi aussi, quand j'étais petit, aux 50 ans de mariage de mes grands-parents, j'avais dû refaire le sketch. T'as pas forcé quand même. J'avais été manipulé. J'avais été insidieusement manipulé par mon père. Le sketch de la chauve-souris de Bigard. Ouais. Non mais mec. C'est quoi le sketch de la chauve-souris? Alors, il y a un million. Non, il y a une chance sur un million. Non, c'est un sketch où il y a la chauve-souris, elle sonne à l'interphone. Voilà. En fait, c'est un sketch un peu grave-le, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est même quoi? Non, en fait, je m'en souviens pas, mais vous c'est juste un sketch de Bigard. Vous voulez pas me dire parce que je suis mais trop non, petite mais non, mais... pour comprendre. Mais non, mais... Je sais qu'il est même pas particulièrement graveleux ce sketch, c'est juste un sketch de Bigard. Donc, en vrai, imagine un enfant qui fait un sketch d'humoriste, c'est forcément gênant. Enfin, c'est rare qu'un enfant soit drôle, du coup, c'est juste enfin, un surtout qu'il répète. Toi, ça devait être un peu gênant. Ouais, putain, la vache, let's go. Let's go. Super mauvaise ambiance. Mais du coup, juste pour dire que j'ai pas eu ma mère, parce que du coup, j'avais quand même envie de savoir est-ce que c'était vraiment drôle, parce que j'ai eu des feedbacks ultra positifs à ce moment-là. Mais forcément, on va pas te dire. Par contre, c'était foiré, quoi. Pas te dire ça, gros. C'est qu'en vrai, moi, ma mère, elle me faisait ça. Attention, JD, attention. Non. Ah, je te jure que si, hein. En fait, moi, ma mère, quand je faisais un truc à chier, même quand j'avais 6 ans, elle me disait c'est à chier. Ah. Bah, moi aussi, hein, mais. Ah, ouais, vraiment? Ah ouais. Genre t'imagines tu donnes un dessin à ton père, il voit le dessin, il fait putain il est immonde. Mais tu sais que ma mère me l'a déjà fait. En fait mais moi j'avais 8 ans, j'ai donné un dessin à ma mère, et elle m'a dit t'es plus doué pour les maths que pour dessiner. À 8 ans. Faut dire. Mais après au moins je sais hein. Elle a été honnête là-dessus. Au moins après elle est honnête. C'est vrai que quand j'ai vu la gueule de ton panda la dernière fois j'ai compris. Oh t'as vu. Bah ça y est le panda je l'ai revu l'autre jour dans un best-of. En mode c'est honteux quand même ce que t'avais fait. Arrêtez. Non mais en fait ce que vous comprenez pas c'est que mon dessin touche l'âme et touche pas forcément le cerveau. Du coup non mais en fait il faut être sensible. Il touche l'âme de qui? Super pont. Non mais juste pour savoir. Non mais à titre informatif bien sûr. Excuse-moi, Ponce, mais oui. Antoine avait trouvé. D'accord. Antoine était relié à mon âme. C'est vrai. C'est par Gloop Gloop, c'est maintenant. Si je fais pas premier, j'offre 5 subs, c'est maintenant. Ah ouais.
Ah, si on tombe sur Parker Bleu, plus que je fais pas premier, c'est 5, c'est peut-être. C'est bon. Tu peux allumer le jeu, nous sommes en plein game avec mes amis gamers. Mister JD, Rivenzi et Étoile qui sont mes amis gamers. Mes amis de jeux vidéo finalement, mes compagnons de JV. Tout à fait. J'adore le gaming personnellement, j'adore ça. Pareil. Moi je déteste. Mais non, t'aimes bien. Moi sinon quand j'étais petite et que mes parents ils avaient les invités et tout, je mettais des petits cartons d'invitation d'Idol et je disais grand spectacle à 18h dans le salon et je dansais sur du Britney Spears devant tous les invités. Oh, tu devais leur casser les couilles. Est-ce que tu dansais sur Baby One More Time? Ah bah oui. Baby One More Time. Ah ouais. Oui, voilà, on faisait des spectacles. Sur cette course. Après, on avait fait sur du Gwen Stefani à Califourchon sur une chaise. Mais on avait hyper pas gênant. Compris que c'était hyper gênant. Non mais Gwen Stefani exceptionnelle. Il y a des sons Gwen Stefani. Oui, mais dans son clip elle faisait ça donc Hyper gênant, les meufs elles ont 7 ans, t'es en mode non arrête Carla. Arrête ça Carla. Deux doigts dans sa bouche là. Oh là là. Elle a 4 pattes, elle a 7 ans, ça commence à être gênant cette histoire. On va juste ranger ça. Carla, tu danses très très bien mais ta gueule. Voilà, juste ta gueule. Ta gueule. Elle faisait ça, Gwen Stefani, ta gueule. Ta gueule. N'hésite pas à aller te faire foutre, vraiment. Trop bien, Gwen Stefani. Non, par contre, Gwen Stefani, c'est exceptionnel. Le clip dans le vaisseau pirate, c'est un classique. Je m'en rappelle pas. Une frappe. Ah oui, il est trop bien. Aucun souvenir, c'est énorme. If I was a rich, c'est ça. Exactement. If I was a rich girl. If I was a rich girl, parce que c'est pas une rich girl peut-être. Non mais c'était tard à l'époque. Ouais mais même tard à l'époque frère. Si j'étais une rich girl. Peut-être qu'elle l'avait écrit il y a longtemps. Non. Non je rigole. Non. Hop là la bombe. Ah vous faisiez tout ça donc. Ah ouais ok. Yes. Et toi JD tu faisais quoi toi quand t'étais jeune? Il analysait des commentaires YouTube. Ouais, tu sais. J'ai toujours plus ou moins fait ça, moi. À 4 ans, j'allais sur YouTube. J'analysais des commentaires, voilà. C'est ça. Ah, c'était à l'époque, quoi. Non, vous avez déjà parlé de Popstar ou pas? Non, mais attends, mais JD, en vrai, tu faisais quoi? Désolé non, pour ouais, les sacs, ça j'ai dû faire les trucs un peu, les petits spectacles ou les trucs comme ça, j'imagine aussi, ouais. Mais ça, c'est-à-dire, t'imagines, genre, ça veut dire quoi? Oui, j'ose espérer. Non, mais en fait, JD, il est né à 13 ans. Peut-être que j'ai dansé sur les L5, peut-être, je ne sais pas. C'est parti, je m'en fous des copyrights. Ah, mais il faudrait que je la connecte en Ethernet, ma Switch. Parce que j'arrive pas à vous rejoindre, là. Genre, JD, par exemple, si tu pouvais me citer une œuvre qui t'a marqué quand t'avais 6-7 ans. L'héroïne de tes envies. Je dirais Norman, la chanson du faux. Non, mais c'est pas vrai, ça n'existait pas. Si. J'ai 12 ans là actuellement. Non, mais je sais pas, les œuvres qui m'ont marqué quand j'étais petit, en musique, tu vas dire. Moi, n'importe. Genre, moi, par exemple, je peux dire Le Petit Prince, par exemple, tu vois. Voilà. Moi, j'avais beaucoup. Moi, c'était Beethoven. Moi, c'était Beethoven quand j'étais petit. Beethoven, Mozart. Mais quoi Il y a Vivaldi aussi, même. Oui, mais Rivaldi, c'est pas toi qu'on a posé la question. Hein. Moi, j'aimais beaucoup Victor Hugo, personnellement. Mais Le Petit Prince, mais vous foutez de ma gueule. Mais fermez-la, attendez. J'ai adoré, ouais. Bon, du coup, JD, c'était quoi, toi? Non, je sais pas, j'aimais bien un film qui s'appelait Le Roi et l'Oiseau, qui était un animé, un film animé français. Ah, il est trop bien. J'ai vu une excellente vidéo dessus il n'y a pas longtemps. D'accord. Ouais, qui explique en fait que Le Roi et l'Oiseau, c'est vraiment... en fait, Le Roi et l'Oiseau, c'était... en fait, c'est un film qui sort dans les années 1950-1960. Ok. Mm-hmm. Et c'est l'un des tout premiers films d'animation, en fait, Le Roi et l'Oiseau. Et en fait, c'était une réponse à Disney qui avait sorti en 1938, Blanche-Neige, en fait. Tout à fait. C'était une sorte de nouveau média, mais cette fois-ci fait à la française. Et c'est une référence parce que c'est hyper profond dans le propos, etc. Et c'est devenu c'est un vrai chef-d'œuvre pour le coup, vraiment. Il est sorti, il a eu un passé assez tumultueux, sorti en plusieurs versions, etc. Mais je vous conseille de le revoir aujourd'hui parce que c'est un chef-d'œuvre. Tu l'as préparé quand cette chronique Grave. Il l'a préparé avant de lancer le live, la chronique. Et sachez que c'est un live histoire le machin, c'est un live histoire, ça régale. Mais sachez que celui qui a les studios Ghibli. Qui a créé les studios Ghibli, eh bien, a décidé de devenir animateur en voyant le Roi et l'Oiseau. C'est vrai. Ok. Oui, en quelle année? C'était 1900 des années 60, quoi, un truc comme ça. Okay. Ok, on aura qui en intervenant, Rive, aujourd'hui?
C'est vrai. Moi, c'est bon, j'ai fait une excellente vidéo. Je sais plus comment ça s'appelait. Cherchez le roi et l'oiseau, analyse, etc. Et vous tombez sur une excellente chaîne qui avait fait l'analyse du. À l'histoire et l'analyse du film, quoi. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Ok. Et donc, du coup, les L5, on en parlait histoire de. Voilà. Hein. Les L5, les L5. Toutes les femmes de ma vie. Putain. Toutes les femmes, tu as toutes les femmes de ma vie. Là, le TT qui paye. Oh putain, mais ça me saoule. J'arrive pas à vous rejoindre. Ouais, ça va mettre un petit peu de temps. Je crois que c'est complet. Je visite un petit peu, ouais. Qui paye. Je crois que tu vas pas trop pouvoir jouer avec nous ce soir. Je pense que c'est complet, Ultia. C'est de toute façon, dès que angle droit et Antoine viennent. Ou c'est le pire gameplay. Ah oui, on se fait une room entre nous après. Hein. Bah dès oui, que... bien sûr. Bah on sera 7 donc. Nous sommes les 7. L'autre console ne peut pas accepter plus de connexions. Ah, bah qui est en attente là? Bah Ultia. Moi je suis dedans pour le coup. Hein. Oui, non, mais à part. Oui. C'est tout, je pense. On est tous les 4 là sinon. On est 4. Ouais, je peux pas venir. Oh là là, mais c'est gay! Bien joué, étoile. Nous sommes en guerre. Quel dommage. Merci beaucoup, Vilkin, pour le sub-gift. Merci, Sibext, pour le 3e mois. Jack Sparrow, pour le 7e mois. Merci beaucoup, les fleurs. Putain, j'ai super froid. Je sais pas s'il fait froid chez vous, mais alors. Mais il fait froid. Mais il fait froid. Dehors actuellement, je vais te. Attendez, donnez la température. On parle météo. Hein. On parle. Il fait 7 degrés actuellement dehors, dans c'est ta ville. Il fait froid, c'est fou. Hein. On dit qu'il y a plus de saison, mais quand même. Hein. Putain, avec tout ce qu'ils mettent dans l'espace. C'est vrai. Ça. Et d'ailleurs, tu sais, Ponce, tu disais tout à l'heure que ça sentait le feu de bois chez moi. Et à raison, parce que ça sentait le alors, feu de bois dans ma rue. J'ai jamais dit que ça sentait le feu de bois. C'est toi qui as dit ça, gros. Oui, je sais. Ah, pardon, c'est moi, excuse-moi. Oui, abus de langage, mais c'est moi qui disais que c'était le feu de bois chez moi. Et en gros, bah, ça chantait vraiment le feu de bois dans ma rue. Donc ça sentait vraiment le feu de bois chez moi pendant que je mettais le feu de bois sur Netflix. Ah oui, parce qu'on a appris sur Netflix, il y a la série Feu de bois où il n'y a qu'un épisode de 1 heure. Mais du coup, il y a 3 épisodes. Il y a 3 épisodes, by the way. Mais c'est. Du coup, mais. Ah, ok, il y a plot twist et tout. En fait, il y a un épisode où t'as une musique de Noël qui tourne derrière, t'as un autre mais épisode où c'est juste crépitement. Mais ça n'a pas un rapport avec Damso ? Non, hein non, 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 ah. C'est... Non, c'est... Ah, non. Peut-être un rapport avec rapport. BHL, Bernard Henri Lévy, je sais pas. Je sais pas. Okay. Je pense pas non, qu'on mais... ait... Mais non, mais... Non, je crois pas. Non, je sais pas. Je crois pas qu'il y ait de rapport direct. Je sais pas. Peut-être. Je vais étudier, hein, si tu veux, je vais aller faire un petit chronique. Mais je sais pas, j'ai cru que c'était un court-métrage que Damso avait fait bois, sur feu de bois, j'en sais bah rien. Ouais, moi je peux comprendre, mais t'inquiète, Ultia, y'a pas de problème. Non, non, je pense que c'est vraiment... Damso, il a participé à la VF seulement, il me semble, de feu de bois. De feu de bois. Ouais, juste la VF, mais... Après, il est pas chaud, il est pas très chaud en doublage, honnêtement. Ah oui, c'est vrai. D'accord. En soi, moi je déteste ce système de vraiment mettre des stars dans le doublage quand on a vraiment des super acteurs de doublage en pareil. France. Pourquoi mettre des rappeurs, des acteurs bah, surtout pour doubler du voix, quoi, c'est un peu limite. Bah, c'est crépitement, enfin. Quoi. Tu vois, moi j'adore, par exemple, Stéphane Rimblin qui est vraiment un super doubleur français qui fait beaucoup de voix. Il a fait. Il fait beaucoup de voix. Mais il fait beaucoup de voix de manière générale. Il est excellent dans le boulot. Il fait un très très bon boulot. Et mais le chat, pas encore ça. Non, c'est contre, vrai quoi, mais malheureusement on le voit souvent derrière les fagots et ça me fait un peu chier. Ça c'est un peu chiant, oui. Bah, en fait, ils ont trop tendance à pas être sous la lumière des projecteurs et ce gros connard avec son klaxon. C'est vrai, c'est le problème. Le Donald Renew de la forêt, comme on l'appelle. C'est un petit peu tellement pour le poids. Genre non, par après, exemple, là, si je demande. Rivendi, vu que t'es assez chaud en imitation, si je te demande Crépitement du bois. Le Crépitement du bois. Ça marche. Quoi Du coup, tu peux pas ? Ah si, j'ai fait un crépitement du bois. Ah vas-y, refais. J'ai fait crépitement du bois, crépitement du bois. Ah c'est ça, c'est du crépitement du bois. Ah ouais, d'accord. Bah ouais. Ah oui, fait la contre-loup quoi. Mais en fait, vous avez décidé que pour Slash Us, c'était à chier à partir de quand, genre. Mais c'est par rapport au script, on a changé la personne qui l'écrivait en gros. Ouais. Ouais. On a changé, mec. C'est qui le nouvel auteur du coup là ? Bah c'est Étoile, je crois. Ouais, c'est moi. Bah, c'est pour ça que j'ai mis que je mourrais dans à peu près 25 minutes, histoire que je serais tranquille. Sympa. Sympa. Histoire d'être tranquille. Non, mais tranquille. Mais enfin, je faisais juste une imitation à la Canteloup, c'était un hommage, mais bon. C'était un hommage. Non, mais, en fait, si tu imitais avec Canteloup, tu ferais le crépitement du bois avec un accent. Un accent, bah oui. Savoir que... Canteloup te ferait un crépitement comme ça, en fait. Le crépitement de Canteloup, c'est comme ça. Bah, en fait, Canteloup, il pourrait te faire un bruit de porte qui s'ouvre et c'est. Je m'ouvre. Et de part qui se ferme, je me ferme. Voilà. Et tout sera en mode. Oh ouais, what the fuck. Te fuck trop chaud.
putain, la compréhension. Putain, le mec est vraiment. Le mec a juste capté comment les gens fonctionnaient, en fait, c'est le boss. C'est juste le putain de boss. Il a bien raison de prendre ses 40 000 euros par mois, t'es. Ah ouais, c'est très très bien joué. C'est très bien joué de sa part. Ah bah ça fait plaisir. Ah mais mec, si tu savais ce que j'avais pris à la fin. Ah ouais, je sais pourquoi. Si tu savais ce que j'ai pris à la fin. Bon, je sais, c'est pour ça que je me plaindrai pas par hommage. Vraiment par hommage. Par hommage. D'ailleurs aussi, moi j'ai débloqué un donation goal au The Event. Et je comptais faire les journées de la culture en hommage justement à ce que tu fais pour le coup, étoile. Et bah fait, bah go. Nice, parfait. En fait, je fais une série d'émissions hommage, un peu comme fait Gad Elmaleh avec ses avec les autres. Avec ses clips finalement, enfin, c'est sketch. Du coup, je vais sketch. Faire les journées de la culture, je vais demander à Julien Lepers s'il est dispo. Je vais faire... je vais aussi faire le Air Event. Je vais faire le Air Event bientôt. Tu fais un Rive le jour. Rive le jour. Oui, tout à fait, mais ça c'est prévu, ça c'est prévu. C'est moi qui vais lui prêter le backpack. Et je vais faire l'émission Cacahuète. Donc Cacahuète qui est avec, un talk show sucré salé. C'est un talk show assez sucré salé. Mais je pensais que tu avais pas passé les donation goals là. Allez hop, oh, tu l'as fait. Je l'ai baissé. Ah oui, ça t'arrange. Ouais, ça t'arrange bien. Moi aussi je peux le faire du coup. Non, de quoi cette histoire? Peut-être que je voulais que tu sois chroniqueuse. En fait, je voulais mettre chroniqueuse dans l'émission Cacahuète. Cacahuète, c'est le pire nom d'émission, genre. Ah, c'est trop drôle. Attends, mais imagine, c'est une vieille catchphrase, Cacahuète, le show qui vous met à l'amende. Oh ouais. Le show qui vous met à l'amende, mais c'est génial. Allez, mais alors, ce mec est un marketeur quoi. Alors, j'adore et je pensais vraiment mettre des panneaux dans la rue avec la gueule des chroniqueurs dessus et tout. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je pensais peut-être que. Est-ce que tu voudrais une chronique sur le cannabis peut-être une fois? Je sais pas. Mais en fait, j'avais pensé à une chronique qu'on appelle l'Outsider, où en fait, ce serait des mecs avec des talents. De Non mais Rive, tu sais ce que tu fais? Tu fais une chronique et tu fais c'est l'heure du retour sur l'actualité de la semaine. C'est ça. Oui, tu fais les actus de Rive. L'actualité de la semaine. C'est ça, avec un petit son de classique derrière. Ça serait lourd. Les petites actus de Rive, en vrai, serait lourd. Bah ouais, non, mais tu lâches un. Il prend ses infos. C'est les actus de Rive. Oh, let's go, ça pourrait être. C'est les actus de Rive. Vas-y. Il prend ses infos avec la SPA. C'est pas les actus de PA. Et là, boum, mec, c'est game. Et non, c'est les actus de Rive. Et ouais, mon pote. Ah ouais. C'est bon. Régale. La vraie bonne idée de cette soirée. Hein. Finalement. C'est un projet. C'est un projet. Ça taffe dur dessus, lourd projet en préparation les amis. Lourd projet en prépa, ça me fume. Lourd projet là qui arrive. Ouais, la mixtape arrive fort, très très fort. C'est un max de projets après le confinement les gars, ça arrive fort. Ça arrive fort. Soyez actifs sur les réseaux parce que... En vrai c'est là, c'est là. En vrai c'est prêt à sortir mais j'attends un petit peu. En gros mais soyez chaud. Ça risque d'être assez dingue ce qu'on va vivre. Donc je vais avoir des semaines assez chargées finalement, c'est vrai, entre tous ces lourds projets. Mais finalement, j'espère surtout rendre de beaux hommages, de vibrants hommages. Non, mais en miroir, c'est horrible, c'est une horreur. Oui, c'est horrible le miroir, c'est horrible. J'en peux plus. Je vais vous mettre la pâte et je parle même pas de croûte. Donnez-lui de la force, donnez-lui de la force. Donnez. Ne rate pas ton goût, la gars. C'est très important. C'est l'étoile, il me laisse pas bider, ce boss. Bah non, je suis heureux. Je suis heureux que tu sois là, ult. Ult. Et ça claque directement son ulti. Et c'est ult hein, qui part juste sa présence, c'est ultimate. C'est ultimate. Et je vais Super Smash Bros ultia. Je suis actuellement en mon pseudo. Oh venez on joue à Smash par pitié, vous voulez pas Super Saiyan ult. On a rien dit gros, on a même pas eu le temps de dire non. Le mec est juste un malade. On a même pas eu le temps de dire non mais putain mais lâchez-moi le boule. Ah s'il vous plaît, ça vous dit de jouer à Smash, vous voulez mais pas, putain, c'est dommage mais... en vrai. Ça vous dit de jouer à GeoGuessr, putain vous aimez pas le jeu, ça fait trop chier. Putain c'est chiant. Oh là là. Bon. Donnez-moi. J'ai une idée, faire le rembobinage de Twitch, ouais, ça arrive, on va faire le rembobinage de Twitch. Donnez-moi de l'amour, parce qu'en fait j'ai pas eu trop d'affection dans mon passé. Oh, putain, merde. Non, j'ai quoi dans le cul, ouais. Irule. Non, mais. Le langage, ouais. Irule. Irule. On a pas eu de. Ah, j'ai voté Irule instant. Irule. Instant. C'est Hyrule, oh my god. Hyrule. Quand est-ce qu'il arrive Antoine D Antoine D et Angle Droit arriveront normalement d'ici. Aucune idée. Ils terminent ce qu'ils foutent. Voilà. Dans 2h30, 3h après. L'enfer. Entre 1 et 2h du matin. En tout cas, moi je pense qu'on passe vraiment une bonne soirée et meilleure que les dernières fois. Ouais. Il manque Antoine par rapport aux dernières fois donc. C'est vrai. Étrange. C'est vrai. Alors je dis rien, très, très je dis ça, je dis rien bien sûr, mais... C'est vrai.
Il manque le petit Jean sur la route arc-en-ciel, ça fait hyper plaisir d'être sûr de la merde. Oh, 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 tu vas te dire. Oh là là, la vache. Les mots sont durs. Trop, trop plaisir. Je suis vraiment pressé de rouler sur une déferlante de chiasse. Ok. Excuse-moi, c'est pas, okay. La, c'est pas la boue dégueulasse de Plain Donut 3. Très bien. Je suis pressé d'ouvrir un cadeau et de tomber time, sur une dernière Time, time, album time, c'est Maé. Fini, c'est fini, JD. T'as dit ce que t'avais à dire. Est-ce qu'il va répondre de l'autre côté? Il peut rien répondre. Je l'ai séché. Il a déjà. J'ai dead ça, complètement. Je suis premier, vous êtes dans vos regrets actuellement. T'es un dead or? Sympa. Oh, c'était pas très faible. Veuillez la recharger. Merde. Damso. Ouais, mais aussi ma manette pro. Deux personnes ont interprété ce son. D'ailleurs, les gars, ça vous dit pas qu'on fasse demain un son? Ok. Non, on a même pas eu le temps d'entendre la propale, mais c'est juste non en fait, frère. Ouais, je me disais qu'on pouvait, tous les quatre faire un son, et je me disais qu'avec un petit peu de chance, on serait aussi au Energy Music Award. C'était une très belle tentative de Van Rimetz. Ouais, mais je me disais ça. Mais malheureusement, un petit peu tôt. Non, on reste sur les live histoires. On va rester sur le projet histoire plutôt. Allez, on va rester sur le commandant Cousteau. On va pas faire autre chose. Alors, le commandant Cousteau, je vous avais déjà dit que. Ah ouais. Visiblement, hein. On ride sympa plus facilement Ultia. Sur les océans. Sympa Ultia. Oh, c'est horrible, elle est horrible cette carte. Oh mais ça va, vous voulez quoi d'autre? Putain, genre, mais Ultia, t'es chiante, hein, vraiment. c'est chiant, quoi. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Je suis dans mon car, je suis dans mon car, tu sais. Espèce de quoi? Espèce de personne qui vit dans le monde, ça casse les couilles. Ça t'allait insulter qui? Ult qui m'a klaxonné. Ok. Elle m'a klaxonné. Je vais revenir dans les enfers. Alors peut-être. Je crois en moi. Je vais absolument pas comeback. Putain, oh l'enfer. Ah, chez Ultia. Oh, je m'en fous pas les couilles, je suis devant Ultia, c'est tout ce qui m'importe. T'es vraiment. Oh, t'es horrible. Oh non, c'est what the fuck. Let's go. Ah non, c'est horrible. Let's go. Bien vu la deuxième place, hein. Ouais, c'est la première fois que je suis content d'être septième. Van, là, je vous la prépare juste après. Je reviens. C'est un one man show. J'étais un peu focus. Prends peut-être la soirée pour réfléchir. Oh, aéroport, par pitié. Allez, moi, je vous laisse de mon côté. Par pitié. Les avions. Là, aéroport. Nice Côte d'Azur. Ouais. La première classe. Première classe pour Tourcoing. Très bien vu ça. À mon avis, quand tu vas à Tourcoing, il n'y a même pas de première classe. Non, je pense qu'il y a juste, il y a juste quelqu'un qui vient te voir, les larmes aux yeux. Oh, merci de visiter Tourcoing, putain. Est-ce que je peux partir avec vous sur le retour, s'il vous plaît? Par pitié. Par pitié, emmenez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à foutre de Tourcoing. Il y a combien d'habitants à Tourcoing? Je pense qu'il y en a beaucoup. De tête, hein, c'est une grande ville quand même. Moi je dirais 47 000. Eh ben écoutez, c'est beaucoup plus. C'est le double, c'est 96 000. 96 000, on est des merdes. La ville a l'air très belle, je m'excuse. Ouais, c'est une, tous les habitants, c'est une grande ville quand même. Ça a l'air trop beau la mairie. Mais attends, mais là tu comptes l'agglo. Là tu comptes l'agglo de Tourcoing aussi. Ouais, mais il y a eu une fusion d'une communauté de communes récemment. Donc complètement, ouais, Mister JD. Ah merde. Oh, j'ai raté mon départ, mais j'ai pas raté la vanne de JD, ça m'a rendu. Ah oui. Ok, je vais faire premier, là, je vous l'annonce, je vous fais une déclaration. Mais est-ce que Tourcoing est une ville étudiante? Non. Non, non, j'en sais rien, en vrai j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Tourcoing ici, surtout, mais c'est forcément, sûr. Mec, 100 000 habitants, c'est beaucoup, hein. Ouais, mais c'est Tourcoing. Bah, mec, c'est vraiment beaucoup. Genre, 100 000 habitants, c'est quand même... Oui, mais peut-être qu'ils sont recroquevillés chez eux, à Tourcoing, je sais pas. Mais t'as cru que c'était Plouqueville ou quoi? Mais je rigole, je viens d'Avignon, bordel. Ça va. Attends, t'es en train de me dire que tu es un joueur avignonné. Ah ouais. Oh, merde. Ah non, c'est... T'inquiète pas, pour y arriver. Ah, tu vois, on me dit dans le chat, on me le valide, y a pas internet. Ouais. On vient de me le dire, donc... Je sais que c'est vrai. Il n'y a pas internet, on est d'accord. Il y a des infos, parce que si c'est le chat qui le dit, ça peut être un peu... Bah écoute, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit là, donc... Excuse-moi, le chat ne s'est jamais trompé. Hein.
On dit souvent que le chat c'est le reflet de l'âme du streamer et mon âme ne s'est jamais trompée donc j'ai confiance en vous. Quel démago, putain, la vache. La vache. N'hésitez pas à vous ça. Hey, mais attendez, mais d'ailleurs, Tourcoing c'est collé à Roubaix. Non. Mais parce que du coup, est-ce que Tourcoing ne se ferait pas un petit peu voler la vedette par Roubaix? Ah, c'est ça le vrai problème. Vrai que... hein. Bah quoi? Je pense pas que ce soit le vrai souci de la vie. On en parlera dans Cacahuète. Le talk show sucré salé. Exactement. Non, c'est le talk show qui vous met à l'amende. Ah oui, pardon, excusez-moi. Attends, mais il faut suivre quand même. Enfin, je sais pas. C'est quand même un projet d'un pote à toi. Il faudrait vraiment qu'on le fasse au moins une fois. Moi, je suis déjà chroniqueur dans Popcorn. Est-ce que je peux l'être dans Cacahuète? Cacahuète. Il faudrait que tu checkes ton contrat pour voir s'il y a pas un petit exclu. J'ai pas d'exclu. Tu peux prendre. Ok, lourd. Bah, tu peux aller voir la concurrence alors, c'est lourd. La concurrence directe. Bah, je vais dire à PA du coup que je ferai Cacahuète la semaine pro mardi. Ah oui, parce que je voulais te dire, c'est mardi 20h. Mais ouais, je sais, c'est pour ça. Je sais, tu m'avais déjà dit ça. Ouais, c'est pour ça, ouais, c'est mardi 20h. Oh, donc du coup, faudrait que je le dise à PA pour... mardi là. Ah, Popo, et toi, j'en étais sûr. Reste là, Popo, reste là. Let's go. Oh, bien joué, Reeve. Ah ouais. T'as l'aglo Lille-Roubaix-Tourcoing. Ouais, mais bon, du coup, ça, c'est beaucoup, beaucoup d'habitants. Lille, Roubaix-Tourcoing, ça doit être genre... Avec l'aglo, sinon, Paris-Marseille-Lyon aussi. Non, mais ferme-la. Non, mais c'est-à-dire que pour le coup, Lille, Roubaix-Tourcoing, c'est vraiment à côté. Genre, c'est collé, les trois villes. Genre, vraiment. Avec Villeneuve-d'Ascq, etc., là. Villeneuve-d'Ascq. Ici, là, regardez. Avec Marc-Ambarol. Marc-Ambarol. On a tout ici. Tu connais bien? Non, je l'ai sous les yeux en fait. C'est pas collé du tout. Ah bon? Ouais, c'est dans le nord, hein, pas chez c'est... Côté. Attends, c'est pas collé du tout. Vous abusez là quand même. Lille Roubaix, c'est pas collé du tout. Non mais. C'est encore. C'est au-dessus de Paris, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est plus collé que Carpentras Avignon. Attends, c'est où là? Et pour vous dire à quel point c'est collé. C'est une métropole. Attends, si je tape par exemple métropole Lille Tourcoing comment s'appelait l'autre déjà? Merde, putain. Roubaix. La métropole européenne de Lille, c'est celle-là? On est d'accord? Oui, c'est ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a? 1 million 2 d'habitants. Bah c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a un Français sur 60 qui habite là-bas, c'est énorme, quand même. Mec, les maths, toi, t'as été prof, toi, non? Non, mais en vrai, c'est énorme, quand même. Non, je sais pas. Oui, c'est pas mal, ouais. Ok, non, mais tranquille. Ouais, mais j'essaie de me... Après, par exemple, c'est moins que New York, tu vois. c'est moins que Pékin, aussi. C'est vrai. C'est pas si impressionnant que ça, finalement. C'est vrai que si tu compares à Pékin, c'est de la merde, j'avoue. Oui. Peut-être que Pékin en surestime, je sais pas, je me rends pas trop compte. Pour être du coin, oui, ça se touche pas, mais c'est vraiment juste à côté. Oui, c'est ça. On est combien en France? Bah, en France, on est. On est pas 70 millions en France? Quasi, ouais, je crois, il me semble. Hein. Je crois qu'on était. Ok. Bah, donc on est d'accord millions, que. Moi, je je suis pas concentré parce que je viens d'apprendre une nouvelle horrible. Hein? Tom Colitz, en fait, il s'est marié avec Heidi. Je sais pas qui est ni l'un ni l'autre, c'est énorme. Je connais que le premier et c'est encore pire, je crois. Je connais ni l'un ni l'autre, ça me fume. Et du coup, je suis choquée. Tom Colitz. Alors qu'il aurait pu se marier avec moi, quoi. Enfin, je sais pas trop pourquoi il s'est mis avec une nana de 50 ans. Tom, c'est qui le mec et c'est qui la nana? C'est le Rasta Blanc de Tokyo Hotel, Tom Colitz. Ah! Franchement, c'est abusé. J'aurais eu toutes mes chances. Vous voyez, j'avais pas tort quand j'étais petite de penser qu'un jour j'aurais mes chances. Et Alyssa Milano, elle sort avec qui? Non, mais c'est juste pour savoir. Ouais, en gros, j'ai des dispos fin d'année. De quoi? Ça, c'est juste parce qu'elle est mannequin et riche, quoi, putain. Bon, en même temps, mannequin et riche, j'imagine que quand t'as été chanteur de Tokyo Hotel, t'es content, quoi. Quand même. Ouais. Ouais, sûrement. Parce que lui, il a jamais été mannequin, il est plus riche depuis longtemps, donc... Il sera jamais mannequin et riche, c'est terminé depuis un petit moment, donc il est bien content, effectivement. L'enfer.
chute, Shakira va venir pleurer. Non, mais je suis plus avec Shakira. Enfin, on se voit plus du tout pour le coup. Ça, c'est terminé. Ça fait un petit moment. De toute façon, je. C'est limite du harcèlement, hein, ce que je subis à cause de Shakira. Ouais, j'ignore ses appels maintenant, de toute façon. Ah bah, c'est même pas ça. C'est genre, à chaque fois j'ai un nouveau numéro. Elle rechoppe mon nouveau numéro. Enfin, c'est un enfer. Ouais, ouais, je t'avais dit, mec, d'arrêter de couper les ponts avec elle. Hein, que c'était là. Ça, c'était d'arrêter de couper les ponts avec. Bah oui, mais je fais quoi? Du coup, je reconstruis des ponts? Non, ouais, tu lui dis clairement une fois et voilà. Ouais, bah, je lui dis, mais je lui ai dit je sais pas combien de fois à Shakira. Je lui ai dit plein de fois. Waka waka, je lui dis tout le temps. Dis-lui deux fois pour toutes et puis c'est bon. Peut-être deux fois, oui. Ah ouais, Bill Collins, il prend du crack maintenant. Mais c'est mais t'es sûr qu'elle veut le voir, ce pipole là, putain, elle est trop chiante. Elle veut quoi, la meuf de Pure People, là, elle nous casse les couilles. Attends, tu vas pas me dire qu'il prend du crack, lui, c'est quand même mon artiste préféré. Mais non. C'est qui Bill Collins? Tu connais pas qui c'est Phil Collins? Ah, Bill Collins. J'ai compris, Bill Collins. Bill Collins, c'est qui Bill Collins? Le chanteur de Tokyo Hotel. Ah, il prend du crack. Il prend du crack. Ah, mais attends, mais il en prenait pas avant, vu. Ok. Oh, il fait tellement. Parce que pour faire la musique qu'il a fait, quand même, je pense qu'il en a consommé des trucs, non? Oh, ouais, oh, et mec, c'est. Dis pas des trucs comme ça. Oh. Durjan Monsoon, mec, hein, je te rappelle. Hein. Juste comme ça. Hein. Durjan Monsoon. Ça, c'est pas qu'il prend du crack. Voilà, tu vois, il y a des personnes dans mon chat qui me disent j'arrive du live de Ponce, Tom Collins avec Heidi Klum, c'est un scandale. Voilà, je suis pas la seule qui est scandalisée. Avec Clara Morgan, ça se passe comment? Plus de contact, pareil. Ouais. C'est dur. Vol première classe pour serrant le four tourte. Ça va, bon? Ça va, et vous? Je passe un moment exceptionnel. Ça va, bon. Petit potin ici. Et du coup, Alexandre. Oh, ouais, pareil. Alexandra Lamy et Jean Dujardin, c'est définitif, du coup, hein, c'est fini. Ouais, c'est. Le gars, il est ultra late. Ça tombe bien que t'en parles parce que ça s'est décanté hier, cette histoire. C'est tout nouveau, tu fais bien d'en parler. Elle te rompre, vraiment, c'est. T'es sur la brèche, mec, t'es sur la brèche. Oh okay. On point, quoi. Phil Collins est dispo au pire, non merci. Et du coup, M pour Coral, succès, c'est fini. Ah bah, c'est, aïe, aïe, aïe. C'est, ouais, ça a été Kinvay. Difficile pour... Aïe, aïe, aïe. Kinvay non. Aussi. Oh non, pas Kinvay, pas Kinvay. Ah non. Si, Kinvay, moi j'ai vu que ses concerts, ils étaient, même avant le Covid, ses concerts, ils commençaient à être vides et tout, et il n'y avait plus que dans sa ville de naissance où il avait encore du monde, et j'étais un peu tristoun pour lui. Oh, il me fait trop de la peine. Ah, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Vous pensez que c'est peut-être un bon gars, non, Kinvay? Bah... Moi, je pense que c'est un mec qui régale en soirée, qui boit de la DSP, qui est un gars. En fait, je trouve ça horrible quand il y avait des gens qui étaient hyper méchants sur Twitter en mode. Bah, c'est toujours horrible. J'entends plus Étoile alors qu'il défonçait les oreilles tout à l'heure. Ah merde, désolé. Non, mais je vais remonter, t'inquiète, c'est moi, je fais de la merde avec Discord, je pense. Ah ouais, c'est compliqué sans compresseur. Ouais. Après, je vais. Oh, j'ai refait tout mon setup là. J'ai vu sur Twitter, t'as dit que t'allais investir, c'est ça? Bah là j'ai tout acheté, ça arrive dans un mois, j'aurai tout. J'ai acheté un appareil photo, j'ai un nouveau PC, j'ai des lumières, je vais déménager. C'est cool. Waouh, ah oui c'est tout là. Ouais c'est... Tout d'un coup. Décider de tout faire d'un coup. Ah mais non mais, pardon, je suis désolé Étoile, je ne voulais pas t'envoyer la rouge sur toi, je voulais envoyer la rouge sur problème, ta banane. Mec. What the fuck problème, mec. Mais c'était toi ou pas? Bah, oui, c'était toi. Non, ouais. C'était pas moi, même si ça avait été moi, ça vraiment fait partie du game. En train de C4, hein. Ouais mais c'est trop bizarre, je croyais vraiment que j'allais tuer ta banane. Et non pas trop après, bizarre. Après là, mon run est clean, donc même si je fais pas premier, je serais heureux d'avoir joué. Oh, moi j'ai fait n'importe quoi, c'est énorme. Bah, du coup, c'est une première place, bravo. Ça va. Bon, à 8 mètres près, je passais. Mais du coup, ça va être la 12ème place pour moi. Et la 4ème pour moi, bien sûr. Bravo. Ok. Oh non, la 11ème. Oh merci, la merci Aives pour le 6ème mois, merci beaucoup. Merci aussi Lilou pour le 2ème mois. Et merci l'Insti Twitteris pour l'abonnement. Merci beaucoup les frères. C'est parfait. Depuis je l'ai bras tendu, je me méfie, je n'attends plus de coups, le pouce, les coups, le pute se multiplie depuis le début, je puis des bites, des putes, cette épidémie. Alors malheureusement, quelqu'un vient de me dire déjà vu Kinvay, c'est un véritable connard, un but de lui-même. Ah merde. Ça. Aïe. Donc. Merci Eddy pour le 4ème mois, merci beaucoup. Dommage. Après, il peut boire de la DSP, ça reste quand même cool. Ah merde, ok. C'est dur en vrai. Bah c'est une merde alors. Non, mais le mec sur un message dans un chat. C'est un message sur... Et bah c'est une merde. Bah après s'ils le disent, c'est que c'est une merde. Hein. C'est
c'est... Non, c'est horrible. Là, ça va être relayé dans toute la presse nationale, devant les élections américaines, devant merci, le Covid, FG, on aura l'info sur merci beaucoup. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Daniel, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Comment il va? Ça fait quoi, soir? Ça joue à un petit MK. Petit MK, bien sûr. Moi, j'ai quelqu'un dans mon chat qui a dit « je l'ai vu » et c'est faux. Voilà. Ah, ouais, j'avoue. Ah. Et ben, on n'a pas de plus d'infos, finalement. Merci beaucoup, Floaty, pour les 10 abonnements offerts. Merci, okay. Merci 20FR, merci Fidji aussi. Et Floaty, merci beaucoup, c'est adorable. C'est ultra gentil. Merci. Et on atteint donc les... Il y avait Antoine, bonsoir Antoine. On atteint les 8000 fleurs, c'est ça? C'est énormissime. On atteint les 8000 fleurs. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est énorme. Je vous invite à spammer le chat de fleurs, de l'ombre et de fleurs. Autant que vous le voulez, autant que vous le pouvez. Merci beaucoup. Merci infiniment les fleurs. Merci beaucoup. Et merci Floaty pour les 10 abonnements en instant même. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle a l'autorisation de venir sur le channel ici ou pas? Non, c'est bon. C'est absolument hors de question qu'elle mette les pieds ici. Ouais, bien évidemment. Non, mais du coup, oui. Après, est-ce qu'elle a les droits? Je sais pas. Bah, si elle est jamais vue, ouais, je pense pas, mais on va elle lui elle a les angles. Oh là là. Attends, je vais dire, mourir bientôt. Mets-toi dans un salon sur le Discord de Ponce. Ouais, c'est ça. Et déplacera. Dans exacto. Le bon salon après. Et voire même, vu que j'ai des modéra fleurs d'une qualité exceptionnelle, il est fort probable qu'elle ait le rôle qu'elle puisse. Fleurs. Mec, je peux plus traîner avec toi si tu dis des trucs comme ça. Ah bah modéra fleurs, ça fait un petit moment, effectivement. Mec, je peux plus traîner avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es viril, tu n'aimes pas les fleurs? J'adore les fleurs. Ah. Et du coup, pas les modéra fleurs? Bah, si, bien sûr, j'adore ça. J'adore ça, absolument pas honnête. Si, j'adore, c'est énorme. Black Yoshi est en train de join. Non, mais on va faire un groupe là. Et d'ailleurs, ouais, on est les camarades fleurs, hein, c'est comme ça qu'on s'est surnommé parce qu'on est les potes de Ponce, on est les camarades fleurs. Tu veux être une camarade fleur avec nous ou pas? J'ai jamais dit ça de ma vie. On est les camarades fleurs, ça te plaît? Tu nous l'as dit, tu nous as dit maintenant. J'ai jamais entendu. Ah, mais Florence, t'es là? Oui, je voulais pas vous couper. Bonsoir. Bonsoir, je voulais pas vous couper. Bonsoir. Oh, on était dans une discussion absolument très très importante. Tu as bien fait de pas nous couper. Justement, raison de plus pour pas vous couper. Moi j'entends pas Florence. Ah bon? Bah. Ah putain, je sais pourquoi. Tu l'avais mute. Elle la mute. Ah mais je l'avais mute parce que je la déteste, exact. C'est gênant là. Je l'ai mute parce que je la déteste. En fait, je la déteste, j'avais oublié, je l'ai mute pour ça, pardon. Mais non. Non, c'est juste un partenaire commercial cool, comme tous les autres streamers avec qui... Arrêtez, c'est pas ça, c'était pas ce que... Taisez-vous ! Bon alors, attends. Pardon. Oulala. Je bouffe ma table. Est-ce que vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît? Je vais rebaisser un peu les doigts. Excusez-moi. On quitte du coup. Ah oui, on quitte, on va faire une room. On quitte, attendez. On attend que Ponce y crée. Ponce, tu crées? D'accord, je crée, pas de problème. Je vous dis dès que c'est créé. Merci beaucoup, Ponce. C'est un grand plaisir. Vincent, le restaurant. Merci beaucoup au Mariex pour le 3e mois. Merci Sarahi pour le 2e mois. Tes lives, cette commu de fleurs m'ont énormément aidé en cette période pas simple. Je n'aurais pas pu demander meilleur soutien. On m'a offert un abonnement et je décide donc de le continuer. Et ben merci beaucoup Sarah. Merci aussi Pinou pour le 5e mois. Merci Alexios pour le 9e mois. Et merci beaucoup les fleurs de manière générale parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a quand même plus de 8000 fleurs. C'est énorme. C'est énormissime. Donc merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux sur les lives et tout, et d'accepter finalement ma programmation qui n'est pas toujours, d'actualité, j'ai envie de vous dire, avec des Super Mario Galaxy, avec des petits trucs à droite à gauche, ça fait ultra plaisant en vrai, que ça suive comme ça. Merci Shoken pour le subgift, merci beaucoup. En vrai ça fait ultra plaisant, donc merci. Merci beaucoup. C'est trop cool. Miel Nutella qui offre 5 abonnements. Arrête. Merci beaucoup. Merci. Je retourne avec les autres quand même pour les prévenir, mais merci beaucoup les fleurs. Merci infiniment. Merci Mick. Merci Matt. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez. La room est créée, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Ça va, Ponce? Ouais, tranquille, et toi? Ça va. Ça va, c'est un petit ça va ça de la part d'Antoine. Non, ça va, non, c'est tranquille. Ok. Tranquille. J'ai vu que là sur Hades t'étais en chaleur 19. Même chaleur 20 maintenant.
Chaleur 20, wow, c'est vraiment beaucoup plus dur à ce que je capte. Ah ouais, ça c'est un peu compliqué, oui, on va pas se mentir. C'est un peu compliqué, mais faisable. C'est Marmotte pendant le The Event, il a fait la chaleur 32. Oui, c'est ça. Abusé. Et c'est le max 32 ? Non. Non, je crois que ça peut aller au-dessus, mais 32 c'est pour débloquer le dernier petit truc. Tu peux avoir. Est-ce que tout le monde est là ? Non, Florence n'est pas là, je crois. Il manque Florence, par contre, Florence, je ne l'ai pas en ami. Ah mais elle peut vous rejoindre peut-être. Oui mais à la JD, à la moi. Bah c'est bon alors. Du coup essaie bon. De nous rejoindre. Ouais c'est bon. Bon alors. Merci beaucoup Mick pour les 5 subgifts, Matt pour les 5 subgifts, Miel Nutella pour les 5 subgifts aussi, Shoken pour le subgift pardon, et Maiden pour le 4e mois. Merci beaucoup les fleurs. Vous êtes adorables. Max 64. Ah ouais. Ah c'est beaucoup par contre. Alors le maximum de chaleur ce serait 64 quand même. Hein. 64. 63 c'est... le max. Faut ou 63. Ami adversaire. Ouais. Ami adversaire, ouais. C'est énorme, ça. Moi ou JD et tu nous rejoins. Plutôt, moi, je crois que je serais pas affiché avec un drapeau, mais si tu vois Antoine avec le petit drapeau in-game, c'est bon. Oula. Oula. Alors, ça cherche. C'est bon. Ah bah voilà. On est tous là. Je pense que tu mets bien des personnes. Mais en direct. Je vais tout donner. On sort de la quoi, team Ferrari ici là. Je me trompe avec le push to mute. Okay. Oh la tête que t'as, Florence, je suis mort, ton mi il est énorme. Quoi, qu'est-ce que c'est que la drogue? Voilà, on est d'accord, on est une politicienne Poitou Charente, on est d'accord. C'est Ségolène Royal. C'est une politicienne Poitou Charente, vraiment. je suis mort. Complètement. Oh la bravitude. Oh la bravitude. C'est vrai que c'est Ségolène Royal, hein, complètement. La bravitude, j'avais totalement oublié. La bravitude. Je mets IA difficile ou on joue que à 7? On joue à 7, si, c'est non, marrant quand une IA se glisse dans le classement, c'est marrant, ouais. Mais une IA dedans. Non, mais pas la Kitu, s'il te plaît, parce qu'il est trop chaud. Par contre, je mets 48 courses. La Kitu, il est trop fort. Hein. Vous êtes chaud 48 courses okay. Ouais, 24. Ouais, bien sûr. Non, mais go faire 24, comme ça on fait 24-24, c'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Donc 48 finalement. Bah ouais, mais comme ça, tu sais, on a deux. J'avoue. Bon, ok, mets 24 pour faire plaisir. Ça permet de reset le classement. On fait un double. Comme ça, on reset. Je trouve ça un peu chaud, mais oui, comme ça, ça fait. C'est parti, messieurs, dames. 150 chacun pour soi. Mode normal. Putain, il y a la politique de Poitou Charente qui me regarde. Si tu réponds bien à cette question, tu vas être obligé de voter Plaine Donut 3, ok? D'accord, oui. C'est quoi la capitale de l'Espagne? Merci Ructoplan. Merci beaucoup. Non, réponds pas. Rome. Non, Yelnet. J'ai trop envie d'aller clubber. T'es tellement nul, mec. T'es tellement trop envie d'aller clubber, désolé. Oh, mec, sérieux, t'as dit Rome, t'as confondu Italie et Espagne, c'est chaud. Mec, en vrai, pour un mec qui fait de la géo tous les dimanches. Après, le truc, c'est que mais j'avais trop envie de clubber les gens là. Après, c'est pas les cordonniers qui sont les mieux chaussés. J'avoue. Non, mais vraiment, ça m'a pris de carte. Hein. Non, j'ai pas pris de carte, je fais des réglages. Jure, mon frère Pau. Quoi? T'as voté oui. Plaine Donut. Bah ouais, parce que moi, du coup, j'avais la réponse de la capitale de l'Espagne. Putain, mais résultat, ça serait la prairie meumeux chez Anglo. Non, j'ai ri meumeux, mais j'aime pas la prairie meureux. Oh non. La prairie meureux. La prairie meumeux. Oh, ça dégoûte. Ok, faut que j'arrive. T'as dit quoi, JD? J'ai dit, on est bien clair, on le fait une fois maintenant, après Plaine Donut, oui. On fait une fois les maps. Non, on fait qu'une fois les maps. Ok, les amis. Ah bah non, sinon c'est. Faut que j'arrive. Oh, si j'arrive pas, je suis abattu. Non, on est obligé, sinon c'est même trop. Même la mine Wario, on peut pas la faire trois fois. Non, c'est hors de question. Oh non, la mine Wario, s'il te plaît. Mine Wario. Ah, ouais, let's go, les gars. C'est trop marrant, Mario Kart, j'avoue. Non, mais non, ça fait j'avoue, vraiment... Mario Kart, trop marrant, quoi. La fake pub, tu sais. Allez, let's go, let's go. Let's go. Let's go, les gars, hop là. Sympa, sympa. Je me fais attaquer par le Black Yoshi, super. Quoi? Si, tu m'as mis un truc au cul. JD, voilà, JD qui va faire pareil. Malade, celui-ci, il met des trucs au cul des autres comme ça. Ça va pas. Ça te dégoûte. Ça dégoûte. Mais ça va pas. Oh, mais tu fais chier, Rivenzwai. Du coup, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que Antoine ou encore Florence, est-ce que ça vous arrivait quand vous étiez petit de faire des spectacles gênants à vos parents ou ce genre de chiant? Non, j'ai fait ma mère d'ailleurs. J'ai dû faire ça, oui. Non. Je l'ai fait. Ouais, je le fais encore sur Twitch à l'heure actuelle, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais tes parents ne regardent pas. Non, ils me renient, bien sûr, évidemment. Voilà. Ah oui. Je suis streamer sur Twitch, évidemment, que mes parents ne regardent pas. Non, j'avais ma cousine qui voulait tout le temps en faire, mais je trouvais ça très cringe, alors je disais non. Ah, tu trouvais ça cringe quand t'étais petite? Ah oui, elle disait même, je veux pas le faire, c'est cringe malaise. L'enfer. Malaise TV, quoi. C'est juste malaise TV, cousin, là. Yes. Juste malaise TV, en fait.
tellement. En fait, elle était en malaise, ma cousine. Non, mais en fait, je sentais que les adultes voulaient être sympas avec nous et faire genre, c'est bien, ma fille. Ah bah, Rimendi l'a pas senti, ça. Rimendi l'a pas senti, hein. Et il nous a sorti un beau sketch de Bigard. Hein. C'est vrai, ah non. C'est vrai. Il a fait du Bigard à 4 ans, là. Je peux dire que ça parlait mandarin, là. Non, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. À 4 ans. Et il lui crache dans la chatte, là. Quoi? C'est bien ton fils, Rimendi. Ah non, je pas là où c'est pas à cet âge-là où t'avais gagné un concours de dessin, Rimendi aussi. À cet âge-là, j'étais un enfant finalement bourré de talent. Eh ben, pour faire mais qu'est-ce qui s'est passé talent, tu peux enlever talent. Depuis Rimendi du coup Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faire des kebabs, les fruits sur la peau. Ah bah merde. Bah Florence. Ah 12 ans. Est-ce que... Attends, j'essaie d'avoir des explications sur ce sketch de Bigard. Je vais essayer de rappeler Mère Rimendi pour savoir s'il a des infos à ce sujet. Mère Rimendi. Mais elle dort, c'est bon. Mais à 22h ? Non, elle fait encore la Numba, je pense. Mais c'est pas la Numba ! On avait dit que c'était fini la bamboche, pourtant. La Numba ! Ça veut plus rien la dire. La Numba ! La Numba ! La fiesta, la Numba, quoi. On va faire la fête comme du déglingo. C'est la Numba, ça veut dire Numba. Non, parce que Antoine, j'ai une question. Ah, oui, est-ce que tu... Ah, pardon. Est-ce que tu fais la Numba ? Quelle tranche d'âge utilise le terme Numba ? Oh, plutôt des personnes assez âgées. Et ça fait ouais, Numba Café. Je savais pas, mais si vous voulez, carnaval. J'envoie un message à ma bande de potes pour leur dire pourquoi on disait Numba. Ah, d'ailleurs, oui, ils t'ont répondu pour JPEP ? Oui, ils m'ont répondu. Et oui, certains l'ont déjà entendu, certains l'ont déjà utilisé, certains... Ouais, ah, ouais. Tu mens. Je te montre. Ma mère me rappelle. Ah, mets en haut-parleur. Yolande, Yolande. Oui, maman, je t'appelle, je suis en live. En fait, je discutais avec des copains. Et en fait, on parlait de nos spectacles un petit peu quand on était enfant. Et tu sais, je voulais faire un petit peu le point sur le spectacle avec de Jean-Marie Bigard que j'avais fait au mariage de mamie et papy. Et en vrai, c'était bien ou pas? Parce qu'avec le recul, je me dis peut-être que c'était pas si ouf. Elle a raccroché, je crois. Vous avez été gentil avec moi. Et finalement, je sais pas, c'était bien ou pas? Le rire est gênant. Oui, bien sûr que c'était super. Oh, il dit c'était super. Ouais. Ah, attendez. Ah, donc c'était bien. Et on est d'accord que les gens avaient rigolé de bon cœur. Ah oui. Voilà, parce que moi, mes copains, ils me disent que parce qu'ils veulent juste me faire plaisir. Mais Rimendi, faut prendre à l'évidence, merde. Le mec, t'avais juste 7 ans et tout, c'est tout. Mais elle a perdu l'audition à quel âge, du coup? Sa mère, elle a le script, en réalité, c'est ce qu'elle fait. Elle parle. Attendez, elle dit quoi? Tout à fait. Les gens la connaissaient pas forcément. Mm-hmm. Ah. Et non, ils étaient tous bluffés. Bluffés, ils étaient. Ah, le morceau. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup maman parce que les gens se moquaient de moi et disaient que c'était vous faisiez plaisir alors qu'en fait non, vous avez vraiment passé un excellent moment. Même si on s'est fait plaisir, après tout le résultat est le même. Hein. Eh ben voilà. C'est vrai. C'est un bon moment. C'est vrai. Oh là là. Pas, Bah oui, il était petit forcément. Ah ouais. Ah ouais. Non, t'avais un an. Je sais pas. Mais bon, et là, il apprend, il a four. Bah écoute. Ok. Sacha n'a pas 15 ans. Ok. Bon bah écoute. Ok, donc j'étais encore plus jeune finalement. Ok. Très bien. Non, mais c'était juste pour savoir ça, maman. Merci beaucoup de rétablir la vérité. Et qu'est-ce qu'il faisait Jules pendant ce temps-là? Ah ouais? J'embrasse très fort. Qu'est-ce qu'il faisait Jules pendant ce temps-là? Attends, les gens me demandent qu'est-ce que faisait Jules pendant ce temps-là. Jules avait fait un sketch aussi. Il tournait la manivelle. Il avait fait un sketch sur un vendeur de chaussures, je crois. Quoi? C'est énorme. C'est incroyable. Mais c'était un texte original. C'était un texte original. Oui, c'était avec Sacha. C'était avec ma sœur. C'était ma sœur et mon frère avait fait un spectacle à côté. Moi, j'étais tout seul avec mon One Man Show. Personne veut faire du Bigard avec moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais tout seul avec mon Bigard et eux, ils avaient fait un truc avec un vendeur de voitures ou je sais pas. Putain, mais je fais de la merde. Ça régale. Genre. Ouais. Si. Mais c'était vachement moins bien que moi. Je me souviens. C'est tout ce que je sais. En tout cas, tu peux embrasser Yolande de notre part. Voilà. En tout cas, tous les copains t'embrassent. Maman est dans le chat aussi. Ouais, ils te font des gros bisous. Oui. Ça donne presque envie de. Gros bisous. Salut maman. À plus. Salut Yolande. Bisous. Salut, yo. Rimendi, Florence. Ah, mais Rimendi est au tel. Ouais, J'étais à une main en train de jouer. J'étais en mode attends, c'est un peu compliqué. Oh, bah, voilà. C'est trop mignon. Et bah voilà, je vous ai dit, elle avait trouvé ça bien. Elle était bien menée. Elle a dit que c'était bien mené. Non, mais Rimendi. Et que vous aviez passé un bon moment. Là maintenant, on est entre nous. Elle veut encore te faire plaisir. Elle se dit putain, mon fils est coincé à 4 ans et demi.
C'est pas possible, quoi. Mon fils est complètement con et n'a jamais été drôle. Et du coup, t'avais 4 ans et demi quand t'as fait le sketch de Bigard ? J'avais pas 4 ans et demi, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça, quoi. Ah ouais, et c'était quel sketch de Bigard ? C'était la chauve-souris ? C'était la chauve-souris, ouais. C'était pas le lâcher de salope, non, non, non. Non, c'est... non, c'était pas le lâcher de salope à 10 ans, non. Non, non, non. Merci Parvatana pour le prime bienvenue. Merci le douaniau pour le 16e mois. Merci beaucoup. Parce que c'est un one man show, du coup, bah tu le fais pas à deux, quoi. Ah ouais. Il pouvait jouer que la chauve-souris, il avait pas envie. Genre, tu prends jamais de carte en fait. Elle est mute. Incroyable. Mais Florence, t'es mute en fait, on t'entend pas du tout depuis tout à l'heure. Non, mais elle t'entend pas non plus. Ah d'accord, ok. J'entends une rediff de Ponce en boucle et je n'arrive pas à faire d'où ça vient. Ponce, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il y a Ponce ? Mais ferme ta gueule, Ponce. Mais j'ai rien, mais je fais rien, je suis avec vous là. Ah mais t'es plus avec nous, Florence, en fait. Maintenant, ça a fait une déco, ça a fait une déco. Et en plus, il y avait une rediff de Ponce en fond et j'arrivais pas à la localiser. Mais pourquoi il y avait une rediff de Ponce ? Je sais pas, je trouvais pas l'onglet. Mais attends, mais elle joue dans un film français de merde ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'était la vidéo YouTube que j'avais lancée sur le Discord sans faire exprès en voulant rejoindre. Ah ! T'as mis un pouce. Mais du coup, est-ce qu'elle peut nous rejoindre comme ça ou pas ? C'est une très bonne question. Essaye et puis on verra. Sinon, on refait la ronde, quoi. J'ai une déco en cours de route. Oui, oui, au pire, on relance. Hein. Essaye de nous rejoin et si on peut pas, on. Au pire, on l'a fait en 24 courses, donc tu nous rejoins après les 24 courses. Ouais, bien sûr. Donc, allez, on a fini. Tranquille. Ah, elle était trop, trop drôle, ta vannerie. J'espère que ta mère va t'appeler dans une semaine. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle est sub à ta chaîne, ta mère ? Je crois pas, à mon avis. Putain, ok. Alors qu'elle est sub à Canal, ça craint en vrai, c'est chaud. Alors qu'elle est sub chez Ponce, quoi, ça dégoûte. Oui, en vrai, elle est sub T3, ça fait 42 mois. Bah, c'est une très jolie fleur. Elle a le badge fondateur et tout, elle fait trop plaise. Bon, je suis une merde. Vraiment, tout ton discours de bienveillance, c'est faux quand quoi, tu lances des j'ai fait quoi comme ça, grosse merde. Tout ton discours de aucun discours de bienveillance, vas-y, vas-y, continue à dire que t'aimes les fleurs quand tu balances des bombes. Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut, connard, ouais, ouais, là, vas-y. Oh, continue. Mais putain, mais stop. Bisous à toutes les fleurs de l'ombre. Les fleurs de l'ombre, tu leur mets des bombes dans le cul, c'est ce que tu veux. Bah, non, même pas. Oh là là, dire la vérité, arrête, étoile, c'est trop. On se calme, on se calme. Excusez-moi. Étoile, merde. Réveillez-vous, fleur de l'ombre. Rebellez-vous. C'est choquant. Rebellez-vous, mettez des fleurs. C'est choquant. Bah ouais. Tiens, c'est choquant. Allez, rébellez-vous, les pancréas de l'ombre dans mon chat. C'est choquant. Allez-y. Oh putain, mais arrêtez de me lancer les rouges, s'il vous plaît, les amis. Putain, mais arrête de me lancer ta plante de merde alors! Bah, désolé, je la contrôle pas! Putain, sale ambiance ce soir, heureusement que ma mère l'ambiance était là pour réconforter tout le monde. Délétère ce soir! Délétère ce soir, délétère! Bouh, c'était toi? Mais quoi? Une fleur de l'ombre qui se rebelle! Je suis dans la sauce! Je rigole, je suis moi-même une fleur depuis 13 mois, je te l'avais dit. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Bah, en gros, étoile est une fleur depuis 13 mois, donc ça veut dire qu'il a, dans le sens où il a resub depuis 13 mois. Bah, ouais, ouais. Ça se passe mal, moi. Moi, c'est une cata, cette course. Hein. Bah, moi, ça fait 2 ans. Que ça se passe mal ? Non, que je sub à ta chaîne. Ah, c'est vrai. Exactement. Bon. T'imagines bah, moi, ça tous fait les 4 sous ans. Que j'ai mis ? Putain. Bah, quoi, moi aussi, je suis sub à ta chaîne depuis plus de 2 ans. Pareil. J'avoue. J'avoue, ça bah oui. Vaut, j'avoue. C'est plus Twitch qui est content, finalement. Oui. Oui, je suis des trop. Florence, t'arrives à rejoindre ou pas ? Forte. Et ben je vais en profiter pour fêter Florent. Merci Yannou pour le 7ème mois et merci Ryuma pour le sub gift. Merci les fleurs, merci beaucoup. Ça charge. Et veuillez excuser Étoile pour son langage un petit peu violent, effectivement. Est-ce que ce online il fonctionne bien quand même ? Ah, t'as pu rejoindre là ? Et si c'est pour faire un pont d'assaut, c'est tout de suite une médisante, c'est bon. Ségolène Royal est là. Envie de clubber. Ségolène. Bonjour Ségolène. Bonjour. Salut Ségo. Quand j'étais en 6ème, mon père il me disait que je ressemblais à Ségolène Royal parce que je mettais mes cheveux derrière les oreilles. Pourquoi j'ai été traumatisée. Il te déteste. Il te déteste. Bah, merci beaucoup, Étoile, pour le 13ème mois. Je ressemble à Liliane dans... Merci, mec. Dans scène de ménage. Dans scène de ménage. Oh, non. Il dit, tu parles comme elle. Attends, moi, Liliane... Père, il disait que je ressemblais... Mon père, il disait que je ressemblais à Grotta de Morve, là. Le Pokémon. Ouais, le Pokémon, ouais. Énorme, mon daron, quoi. Énorme, le daron. Bien. Trop marrant. Non. Oh, non. Mon père, il disait que je ressemblais à rien. Ah. Aïe, aïe, aïe. Wow. Mon père il ne m'a jamais parlé. Yes. Ouais, peut-être calmez-vous, peut-être que c'est pas obligé de enfin, tout déballer comme ça, c'est peut-être pas la peine. Okay. Non, mais t'inquiète. Yes, excusez-moi. Ouais. Allez, bon, let's go pour la course du coup, ouais. Ouais, let's go, passe un bon moment. Quelle ambiance ce soir, les amis. Délétère ce soir. Délétère. Quelle map de fou, sérieux.
Oh, c'est vraiment une Clacos, mon cher Étoile. J'aime trop cette map. Clacos. J'ai toujours eu des goûts de merde, y a qu'à voir mes amis. Ah, ouh, très bien vu ça. J'imagine tellement une compétition MK la en live avec Ponce aux commentaires et Antoine et Étoile en train de faire les analyses des maps. Franchement, elle est incroyable, cette tellement elle est éclatée, je suis pas d'accord. Je suis consultant de ouf. Je sais qu'être à l'analyse desk avec Antoine et dire oh, cette map me rappelle des choses exceptionnelles, c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est vrai. Ce serait fou. Moi, ça me ferait plaisir. Oh non, oh non, oh non, oh non, JD. Avec c'est pas cool, aux interviews. Mais du coup, vous êtes complètement merdé là, vous avez été nul. Allez, TTT, et on se concentre pour la prochaine. C'est ça, TTT. À la fin, qui est premier? C'est moi. C'est Étoile. Mets la bleue, mets le bleu. Team Rayou. Et JD ferait des commentaires de Ponce, ce serait énorme. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ce serait génial. Je suis vraiment une merde. C'est-à-dire, tu sais, après la game, il sera en mode ouais, Ponce, il a été génial, il m'a fait beaucoup rire sur ce moment de la game. L'enfer. Je fais du react après. Je rate tous les objets. Mais JD, ça te dirait pas dans la tête de ta banane dans mon cul? La queue de poisson. Oula. Bah, c'est ce qu'il vient de faire. Si je prends des murs, c'est nul. Waouh, ce que je viens de faire. Oh, ça m'a permis de dodge la bombe. Attends, mais Étoile est arrivée tellement vite. Parce que je suis le fast. Je passe tellement pas un bon moment. Je suis Xerai. Tiens, voilà, on se calme de suite. Ça a touché personne en fait. Si, Antoine. Non. Ça a touché juste ma rouge. Ah t'es merde. T'es vraiment un bâtard, Evenzy. Et c'est toi qui est venu au contact, hein. Non, allez, c'est toi. C'est toi. Oh, c'est toi. Qui est venu au contact. Super, c'est super, super, non, super, non, super, non, super, non, super, super, JD, super. Bah, y'a pas de problème, je t'en prie. Super. Super. Tu es bleu pour Étoile là? Tu es bleu? J'ai pris une. Ça met très bien en vrai, une deuxième. Putain, mais ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule! Je pense qu'il doit être trop bien ce parc d'attractions. Non. J'avoue! C'est pas le bonheur! D'ailleurs, putain, de Denis Violande! Putain, mais c'est pas possible! C'est moi qui t'ai pris une version. Ah, pas quand même, pas quand même. On a vu cette discussion la dernière fois si on devait vivre dans une map Mario Kart, et moi je pense que je vivrais soit dans le parc Glouglou, soit pourquoi tu bouges pas de la. Attends, pourquoi tu bouges pas, Florence là? Dans Prairie Moi seul, j'arrive pas à faire la marche arrière! Oh, j'ai une communication, c'est pas vrai! Non, sérieux? Mais ouais, attends, ouais. Est-ce que des fois lâches la manette pendant plus de 20 secondes, genre... Non mais attends, mais là j'essaie de faire des trucs quand même, je n'avais pas give up, j'essaie de faire une marche arrière, ça n'a pas fonctionné, le jeu m'a brolossé. Souvent, le jeu te déco quand vraiment tu touches plus au truc. Quand t'es trop mauvais, ouais, bah, je suis pas dans la merde. Écoute, je suis navré. Désolé. Est-ce qu'on dirait pas en haut de sa voix, là? Moi je vais faire un petit Big Blue. Moi je veux cluber depuis tout à l'heure. C'est vrai que tu pleures. Hein. On pourrait aller à l'aise. Moi, je vais faire petite moi, de mon côté. Oh, let's go, il faut bien. En fait, toutes les maps qui sont sélectionnées sont toutes trop bien, sauf la route du dragon de Seymour, qu'après j'ai vrai. La route du dragon de Seymour. Florence, la clubeuse. Je club. Oh, ouais. Vous savez que la voix française de la voix française de Mulan, bah, c'est Liliane de Scène de Ménage. Ah, cool. Oui. Voilà. Mais après, son mari aussi, c'est un grand doubleur aussi dans Scène de Ménage. J'ai oublié le nom du comédien, ah je vais me rappeler, mais c'est des grands comédiens de doublage. Oui. Bah, et puis la vieille dans Scène de Ménage, c'est la voix de Loïs dans Malcolm aussi. Ah bon? Oui, 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 le couple c'est de retraités, la meuf. La oui, Marion Gamme. Marion Gamme. Putain, du coup, je lis le chat. Et, putain, ok. Quelle idée. Faut que j'arrête. C'est la meuf qui fait Loïs dans Malcolm. Ah, d'accord. Ah ouais. Yep. Je l'aimais trop quand j'étais petit, Loïs. Ouais. Et après, non. Voilà. Ah bon? Ouais. Okay. Elle est trop stylée. Bon. Non mais oui, le personnage est stylé, c'est vrai. Quelle map de fou. Bon, il faut que j'arrête. Je fais de la full de la merde. Non, mais non. Attention, le cut qui rend heureux. Il y a un cut qui rend très très heureux. Allez, on a toujours pas vu. Je sais toujours pas bien le faire. Antoine, ouais, tu regardes le chat, mais tu restes meilleur que moi qui regarde que mon écran. Ah, vachement bien, Étoile, je vais essayer de le faire. Attends. Quel bâtard. C'est la première fois de ma vie que je rate ça. C'est vraiment la première fois. On l'a vu, c'était incroyable, Max, ce que t'as fait. Oh bah la bleue. Oh bah c'est le destin. Ah non, c'est le destin, mais non. C'était pour pas que je prenne la bleue. C'est le destin. C'est moi qui ai lancé la bleue. T'es fier? Bon, c'est un objet sur MK quoi. Rivenzy, s'il te plaît. Putain, Rivenzy. Rivenzy premier actuellement. Putain, mais arrêtez, laissez-moi tranquille. Et Antoine, ça va. Ça va, ça va, tranquille. Ouais. Allez. Putain, je me fais battre par des potes, je crois. Je prends le cut. Putain, y a un cut que je ne connais pas, ça dégoûte.
Oh, il y a un champignon encore. Oh, j'ai pas eu d'objet pour ils ont des champignons, pas moi. Oh. Non, j'ai rien. Ah qu'est-ce que c'est qu'elle m'a spam une rouge là? Moi aussi, Ulti, elle est là. Non. Okay. Oh, j'ai tout donné. Dommage, j'avais pas de champignons, ils en avaient. Okay. Oh, mais non. Tout donné. Je bine le body. Qui c'est qui a backspam juste pour savoir? Je sais pas, c'était peut-être Bowser. Ça va aller, Florence. Bowser était devant toi. Ça va aller, Florence? Ouais, ça va aller, t'inquiète. Mais t'as plus trop colo ou pas? C'est déco, ça m'a enlevé tous mes points. Oui, oui, j'ai ouais, fait. Ouais, okay. Tous tes points. Non, j'ai fait ah, les 3 points supprimés. Au moins 26. Ah, on joue les 3 points. Ah. La partage, c'est les 3 points. La partage, c'est l'essentiel. Hein. Ultia devrait faire du doublage de dessin animé, mais en fait, t'as une très bonne voix, mais t'es pas comédienne, c'est... en fait, Ultia. C'est vraiment. Le gros c'est exactement ça. Voilà, comme vous pouvez l'entendre. C'est vrai. Comme vous pouvez l'entendre, ses talents de comédienne sont à chier, quoi. Exactement. La descente give. Let's go. Allez. J'adore la descente give. La descente j'y vais. Putain, là, je joue avec la Coxie Auto, je sais pas quoi, c'est marrant en vrai. Oh, elle est vraiment pas mal. Attends, t'as quitté la scoutinette? Bon, non, mais genre juste depuis aujourd'hui, quoi. Pour rigoler. Mais c'est pas mal en vrai. D'accord. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu disais, Ultia? Je disais que je pense que c'est la question qu'on me pose plus. C'est juste une blague. Est-ce que t'as fait du doublage, ouais. Ah ouais, ok. Du coup, c'est devenu une commande. Oh, et tout. Oh, ça m'a poussé. Pourtant, tout. Vie, c'est on un jamais enfer. Dit ça. Ouais. C'est vrai. C'est un enfer. Oh, par contre, j'ai un départ de fou. Non, mais ma vie est naze. Ma vie est en naze, yes. Là. Parce que je pense que c'est un truc où les gens sont assez sensibles sur Twitch. C'est tout ce qui est question un peu deep sur le doublage et trucs comme ça. Enfin, moi, je connais assez attention. Peu de gens de IRL qui s'intéressent à quand je leur dis putain, j'ai rencontré un mec qui fait cette voix-là. Et les meufs sont en mode oh, ok, bon, d'accord. Ah oui. Aux F sur 20. Je sais pas. Je suis derrière toi, toi, Alain. Let's go. Sur tes talons. Oh là là, c'est le pire cut et tout. C'est vrai que c'est pas simple. Ça me rend heureux, en fait. Plus maintenant. Re-maintenant. Ouais, peut-être, en vrai, peut-être que je vais revenir sur la scoutinette, je sais pas. Mais c'est marrant de changer aussi des fois. Non. Oh non, pas ici. C'est le pire. Oh, dans la rivière. In the river. Oh non, dans la rivière. Oh là là, c'est horrible. C'est un bot, oh là, ou pas, Antoine in the river. Je pense. Est-ce que c'est un bot qui s'appelle Angle Droit ou pas? Oh, c'est toi qui as balancé. Non. Ok, la foudre. Ouais, ok. Non. L'éclair d'électricité. J'ai perdu mes 3 champis, alors m'accuse pas pour rien. Okay. Putain, mais pensez quoi, mais c'est quoi cette indignité? Hein? Ouais. Non, mais je te vois arriver dans le ciel. Bah, bien sûr. Ça débarque. Quand mais on débarque sur la piste. Ah, t'es venu au contact, hein, je suis venu au contact. Claquer du bif. Tout à fait. Claquer un maximum de bif. Pas de litige. Est-ce que tu non, ça va saigner. Est-ce que tu piges? Oh, Tsel, moi je le relève sur la pige. Hop. Putain, JD! Oui, bah bon. Oh non. Oh, ça marche. Quel emmerdement. Oh, Ultia, c'est dégueulasse. YOLO. Quel enfer. Non, je l'ai vu. Mais là, tu vas agrandir avant moi. Ah non, mais t'es un enfer, Antoine. T'es vraiment un enfer. Bien joué. Oh non, ma verte. Non. Oh non. Je voulais les envoyer pour... Vous chantez si bien que vous allez vous faire DMCA. C'est ah, merde. Bon. Ah merde. Oh non, ah, merde. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Allez, ça remonte, Florence, là. Oh non. De toute façon, Florence, merci Shookt pour le prime, merci Smyrne oui, pour le prime aussi, c'est merci Tristouo pour le cinquième mois, merci Justin pour le troisième mois, ouais. Merci les fleurs, merci beaucoup. Complètement, ouais. Ah oui, ouais, la scoutinette. J'étais bonne sur la DS, moi, je me souviens, c'était vieux bail. Ta voix céleste, tu te plais là? Hein? Non mais joue sur DS sinon si tu veux. Ouais, je vais faire ça, ouais. Putain, là en vrai j'aime toutes les maps sauf Route du Dragon. Voix Céleste elle est trop bien. Pareil, exactement la même que toi. Route du Dragon c'est une des worst maps je trouve. J'ai trop de mal avec Umtiti, je la run très très mal. Je trouve qu'elle demande, elle est très technique quand même. Laquelle Umtiti? Allez. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Et toujours pas de clubbing. Non, j'ai pas voté le clubbing en fait.
Comment est ça Bigo. Quand cela démarche comme Mewtwo. Non, pas du tout. Maestro, voix céleste. Au secours, mais au secours, les gars. Non, mais au secours. C'est pour pas qu'on se fasse strike. C'est ultra malaise, là, ce que vous faites, les gars, là, en fait. Hein. J'avoue. C'est ultra cringe malaise. Cringe. Hashtag cringe, hashtag malaise. Comme Florence qui voulait pas danser sur du Gwen Stefani quand elle était petite. Malaise, quoi hashtag malaise. Parce que c'était pour trop cringe malaise. Oh non. Merci beaucoup, Antoine. Vous savez que nous, on allait tellement loin avec mes cousines pour ce genre de spectacle qu'après, ouais, on faisait faire des sondages pour savoir s'ils avaient apprécié le spectacle. Oh, vous étiez juste relou, quoi. Juste trop chiant. On était obligés de regarder votre spectacle de merde, et en plus, il y avait des sondages. Genre, en vrai, l'enfer. On donnait des papiers, et comme il y avait personne qui nous répondait, on écrivait des faux sondages. Oh non. François Fillon aime ça. Oh putain. François Fillon a apprécié le spectacle. T'as ruiné ma vie, Antoine. Et même si t'as... Oh non. Oulala. C'est mérite. Mais... Let's go. Laissez-moi juste avancer en fait. Je pète un plomb actuellement. Par contre, JD, s'il n'y a pas de bleu, il est seul au monde comme Corneille. Oh non. Ouais, mais en même temps, j'ai pas d'objet là. Mais je tombe au seul endroit où. Non, mais. Non, je suis deuxième et l'objet que j'ai, il est pas très intéressant. J'ai pas... Si, quand même, une petite verte là, quand même, ça peut m'être bien. Oui, mais il est à 3 km. Ah, là, 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 là. Il va le mettre derrière. Tu as pu prendre les boosts. Bonjour à tous. Oh non. Bim. Quoi ? Mais étoile, mais... Mais non, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le piège à con, c'est le piège à con. Et qui est le piège à con, comme on l'appelle. Je suis dégoûté. Peut-être qu'ils vont se faire avoir par le piège à con, non. Les champis, là ? Ouais, ouais. Non, non, non. Ah non, mais je suis trop con. Attends, mais elles sont plus quoi ? Allez, cheat bleu maintenant. Serré. Allez, une petite bleue. Mais non, mais c'est pas vrai. Connard. Ah, espèce de connard. J'ai pas de spam. Bah ouais, mais mec, en même temps... Oh non, putain. Oh oui. Oh non. Oui. Putain, non. J'avais les toiles, je suis dégoûté. Allez, hop là. Oh non. Antoine. Oh non. Je vais tellement de temps arriver. Ça sent très bon pour Antoine. Non, Rivenzi le con. Oh, let's go! Oh, les touch! Ouais, mais comment il est passé à travers de toutes mes boulasses? Oh, j'ai tellement de touch! À travers des boulasses, comment t'as fait? Oh, bah, j'ai touch! En gros, j'ai sauté deux fois. Une fois à gauche, une fois à droite. Je te jure que j'ai touch! Ah, si, si. L'action en plus à l'étoile. Je fais Matrix. Plus aucun doute. Pas mal du tout! Et peut-être les premiers points de Anglo droit là-dessus. Let's go! Je suis abonné à 9ème place pour le moment. On prend les 10 points. Merci, Foxéon! Pour la fête des fleurs et les deux abonnements offerts, merci beaucoup. Je hurle. Moi, je veux clubber surtout. Tu l'es. Tu veux que je vote club aussi? Ah bah, tu veux que je vote. Vas-y, je vote club. Tu l'es. Tu l'es. Oh, ça veut clubber un max. Énorme. Allez, ça club, là. Moi, je suis... Oh là 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 là. On va... Moi, je club. On va clubber. Jazz. C'est vrai que c'est plus jazzy. Plus lounge, plus. Piste musicale, c'est un peu un bar où tu t'as lounge. Tu t'as lounge. C'est non, jazz, qu'est-ce que j'ai foutu, putain. Pardon. Juste envie de faire la noob, exactement. Putain, j'ai validé une Mercedes là. J'ai fait de la merde, putain. Ou un to-do de Nuba. Ouais, petite petite tisane, petite tisane avec Sky Coca à côté avant. Petite Merco, oh, tu connais. Petite Merco, petite Merco. Je fais que changer de voiture, c'est infernal, j'en peux plus. Petite Merco, petite Merco. Let's go, les gars. J'ai trop de temps. Un peu parti. Après, j'aime pas cette un peu jazz, je rentre dans la boîte. Jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Pam, padam, pam, padam. J'ai tous les standards de Duke Ellington. Tous les standards de Super Zulu. Go to the sun. Mais ferme-la! C'est super cringe. J'ai pas la rêve! Mais moi non plus, j'ai pas la rêve. Je l'ai pas eu le tir à la musique, quoi, donc y a plus... Ça écoute pas du Michel Jonas ici? C'est qui? Il a fait un feat avec. Avec Dark Pop. Oh, ça m'a fait trop rire, je suis allé dans le beat. J'ai aucun objet. Oh là là, j'ai rien pris. Mais merde! C'est la cravatastrophe.
Oh le catch. Ça je me souviens jamais de la rêve, c'est incroyable. Oh, il est... Mais elle est horrible cette bagnole, c'est un enfer absolu. Tu m'as dit au moins 40 fois. Bon, s'il est en train de tourner un clip, là, il a sa Merco. Ah mais gros, je suis dans ma Merco Benz actuellement, j'en peux plus. Tu zoom zoom zoom. Ah bah là, dans ma Benz mec. Benz Benz Benz. Oh je suis arrivé sur toi instantanément. Oh, oh le gars. Mais en fait, je peux pas, je peux. C'est injouable cette merde. Injouable cette merde. Ah bah. C'est relatif à un ponce parce que c'est par rapport vraiment à toi quoi. Ça dépend vraiment de ta conduite en fait. Ouais, ouais complètement quoi. Si t'as un mauvais gameplay, t'auras c'est sûr une mauvaise conduite. Mais en fait je peux pas prendre de virage serré, enfin c'est vraiment un enfer, je oui, vous jure. C'est la faute du véhicule, on la connaît, t'inquiète. Ouais. Oh si là, si là, je vous jure c'est. Je vous jure c'est. J'ai été puni. Vas-y Florence, je pense que Florence. J'ai été puni. C'est moi qui vous ai mis l'éclair et je me suis fait écraser par une note deux fois. La ah, le karma. Le karma. J'ai balancé tes deux rouges là. Non. Oh, JD là. Vas-y, passe. Ouais. Passe. Mais non, JD. Oh, tiens, bordel. Oh non, mais putain. Ça, c'est cadeau oh pour là le là, car. Je suis avec Pompon quoi, avec sa bagnole de merde. Mais gros, j'en peux plus. Oh, la putain, mais la bagnole de merde de Ponce. Not blue. J'en ai marre. Not the blue. Oh, the blue, the blue. The blue one. Tiens, voilà. Casse les couilles, putain. Voilà. Oh, pas la blue. Oh, l'erreur. Voilà, mettez-moi c'est juste bien. Voilà, merci Nintendo. Ah, merci. Putain. Oh non, et Nintendo. Et toi, la oh, trop de lag, c'est incroyable. Non, en fait, non ouais. j'avais ma banane, JD. Je serais pas mort. Ouais, 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 on la connaît. Allez. Bah oui. J'avais ma banane. Quoi wow, yeah, mais je fais plus rien de ça. J'avais la banane. Des oh, gens, l'important, c'est l'essentiel. Je vais chanter la balade. Mais non la balade des gens heureux. Je suis bien parti à chaque fois, mais ça suffit pas. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Tu ne me regardes ça va aller, Florence plus. Tu ne me parles plus. Ça va aller, Florence ouais, ça va, Flo Je ne te reconnais plus. Bon, on va pas cluber là, vite fait là. Si, si, on va cluber. Si, si, on va cluber. On va surtout changer de voiture. On va cluber. Sur une étoile ou sur un sur oreille, on va clubber sans brûler la peau. Putain, ça tombe sur la route du dragon, je ne réponds plus de rien. Ah, ça va finir par tomber sur ça, c'est sûr, hein. Mais Rivenswine, salut mon pote. Il est où le club? Merci la chute d'Icar pour le deuxième mois. Merci Gla et Weir aussi pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Normal. Merci. Plus d'un club. Normal. Les portails, c'est essentiel. La chatte, la chatte. La chatte. Inox tag, Inox. Inox tag, Inox. Oh là là, énorme. J'ai mon bol d'ébli. Là là là. J'ai mon Lily. Là 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 là. Il faudrait que je la prenne par cœur au bout d'un moment. Mon bol d'ébli. Il y a vraiment mon bol d'ébli. Ouais, c'est ça. Il le dit à un moment donné. C'est un remix. J'ai un background. J'ai une histoire, j'ai un background. J'ai grandi avec des gens de. On l'a déjà faite celle-là, par contre. Non, ouais, non. C'est vrai qu'on non. Ah, Antoine n'était pas là. Ah, okay. Non, non, non. Celle-là, on l'a déjà faite en fait. Non. Là, 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 là. Tiens, tu fais vraiment un focus sur moi. C'est. Ah, pompon. Nanani, nanana. C'est parce que je m'attaque au plus faible. Oh, oh la poche. Je rigole, sinon je m'attaquerai à angle droit. Elle était belle celle-là. On est enfin. On est enfin. Dis quoi? Oh la vache. Elle dit quoi? Oh là là. Elle a, elle a traité toute la famille d'angle droit. Elle dit ça parce qu'elle a plus de blush depuis plusieurs semaines. Mais ça c'est. C'est parce qu'elle m'a volé mon blush. J'ai volé son blush à la blush de couleur. C'est énorme ce qui se passe. Attendez. Merde. Pas la bleue. Pas la bleue. Oh non. Oh bah. Oh bah. Oh bah Rivenswine. Oh bah Antoine Daniel. Non, mais je l'aurai un jour. Je l'aurai. Tu peux pas savoir ce que ça fait de mettre du corail depuis des semaines. Un petit éclair d'électricité. Ma chérie, ça doit être très dur. Un petit éclair, je suis chaud. Ma chérie. Oh non, Rivenswine. Ça se passe mal. Bon, là, c'est une cata. Oh, c'est horrible. Horrible ce que je fais. Je fais une game horrible. Voilà. Oh non, mais c'est Pansé. Pansé. Bon, désolé, j'ai besoin de libérer un slot d'objets, c'est vraiment juste pour ça, Ponce. T'es dégueulasse. Oh, pourquoi j'ai fait ça? T'es dégueulasse. T'en avais besoin de cette rouge pour attraper le premier. Pas du physique, Ponce. Non, mais pas. Du slot d'objets. Aucun rapport avec le physique. Je pense pas qu'il parle du physique, ouais, pour le coup. Là. Non, vraiment, je parle du gameplay, en fait, on est en train de jouer aux jeux vidéo.
Au JV. Oh non, pas la bleue. C'est, et en plus tu me backspam ça, ok. Mais j'avais besoin de slot de. Non mais très bien. Oh mais le nombre de rouges qu'il a, JD. Attends, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est fini. Ce n'est pas fini. Je suis une merde. Voilà. Oh voilà. Oh, voilà, Rivenzy, voilà. Voilà, voilà. Pourquoi c'est arrive. Le karma. Au dernier moment, je comprends pas. Attends, mais Rivenzy, c'était pas bien. Et après, j'ai tout esquivé. Pourquoi c'est toujours comme ça? En fait, il faudrait qu'on reste derrière, en fait. Non, mais vous jouez tactique. J'ai enfin dépassé Wendy, le bot. Mais si on allait clubber, les amis, finalement. Petite route du drag. Allez. Du drag. Mais ta gueule. Route du drag. Allez, clubbing. La route du drag. Et je suis posé dans le club. Il y a que des refs en fait quand on parle. C'est que des références. Oui. Est-ce que si on passe la chanson de Michou, on se fait DMCA? Oui, je pense. Bah, moi je vais te signaler. Après, c'est comme tu veux. DMCA. Bah, là. J'aurais un seul strike. En 41, ça aurait été super avec Ponce. Hein super. Mmh. Ah ouais bah putain. Ouh là là, directement. Directement ça dit. Alors, est-ce que ça va cluber? Si c'est le club, est-ce que c'est le club? Oh let's go, c'est bon, c'est le club. Allez, c'est le club. Bon là s'il y avait pas le club, ça aurait enfin route dragon quand même, hein, c'est pas passé loin. Allez. Ça va cluber. Ça va cluber. Ça va cluber. Un max, normal. C'est parti. Et tu lèves un bras. Ouais. Je peux pas, pas faire premier avec cette musique. Simple. Mais pareil, je l'ai aussi. Ah bah. On va être premier ex-écho du coup, Antoine. Faux départ pour moi. Là, t'as pas la musique aussi. Mais si. Je l'ai, mais là, du coup, c'est horrible. Putain, j'ai pas appris de cadeau, je suis dégoûté. Putain, vous avez mis la musique de Michou? Ah, vous avez mis la musique de Michou? Bah ouais. Ah oui, bien sûr. C'est game. Mais c'est game là. Ah putain, vous avez dû me dire, mais vous avez un bonus avec ça. Complètement. Ouais. Ça fait. Oh, je suis un connard, j'ai toujours pas pris cadeau depuis le début. Mais visiblement, c'est que le dernier tour qui compte, donc bon, pourquoi pas. Oh là là. Ou le sel de guerre. Oh, mais Antoine! Pardon, Ponce! Mais pourquoi, quelle idée de la mettre derrière? Ouais, non, bah en fait, oui, on est des adversaires, effectivement. C'est pour ça, je pense. Oh, dans le club normal! Mon cher étoile. Normal. T'étais vraiment normal. Ah et du coup c'est bon. Oh là là mais moi. Oh là là. Oh non. Oh non c'est une blague. Ouais t'as pas de chance. Non c'est une bleue. Oh la bleue c'est mort. C'est pas une blague. Padoum. Ciao les nazes. Oh mais c'est perdu là. Il y a Wendy le bot là qui est devant moi. Ciao Billy Bye, est-ce que vous smack? Wendy le boss, pas le bot. Wendy le boss. Super snipe par Wendy, hein, effectivement. Il est chaud, hein? Ouais. Elle l'est. Merde! Oh. Je suis tombée. Oh non, Florence. Merci. Passe ça par pitié. Tout sauf ça. Je suis au fond. Je suis désolé. Putain, quel banger, quoi! Mais où? T'es sûr qu'il n'y a pas les DMCA dessus? Ah, j'en suis pas sûr du tout. Ouais, c'est moi, bien j'en ça. Je suis pas sûr, mais tant pis. Rivenzy ouais, versus Wendy, c'est terrible. Le gros duel, Rivenzy-Wendy. Celui que tout le monde attendait. Rivenzy. Bon, alors Rivenzy. Je ne réponds plus de rien là. Je veux juste mourir. Ah, vous savez qu'il y avait de l'eau dans le club? De l'eau dans le club au fond? Non, il n'y a que de l'alcool. Il y a du champagne. Piscine. Champagne shower. C'est une piscine de champagne. En vrai, ce club a l'air énorme par contre pour le coup. Avec Masca, c'est tout. Insane. Ouais, il y a de l'eau en dessous la boule à facettes. Non. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est toi, qui a fait quoi? Non, en vrai, je crois pas. Boules... Oh, c'est moi, les boules de feu. Bah, t'as ruiné. Allez, on s'accroche. Putain, mais ça a duré pile le temps de la chanson de Michou, quoi, la course. Et ça a été créé dessus, en fait. Ils l'ont créé, oui, voilà, c'est ça. C'était vraiment thématique, hein. C'est tout à fait thématique. C'est thématique. Abonné à la 9ème place, c'est incroyable. Enfin, 3ème place là, on s'avoue. Elle est comme ça, Harmonie, elle est au fond. J'ai repris ma scoutinette, je suis allé chercher une première place, ça me le plaît. Le vrai gros duel de la soirée, c'est quand même Angle Droit versus Like It You, je suis d'accord avec toi. C'est laquelle la musique de Michou? Dans le club. Mais c'est trop tard, fallait l'écouter quand on était dans le club. Mais c'était vrai. Merde. Dans le club, Michou.
Ah, j'aime trop ça. Non, mais arrête, fais pas genre. Ah, mais c'est le clip où il a fait sur un yacht et tout, là, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Vraiment, ça, vraiment, c'est insane. Ouais, il a... Ouais, il m'a demandé de le dépanner pour le clip, pour le coup. Du coup, bah, c'est la cool, quoi. Alors, je l'ai écouté. Mais si vous voulez, hein. Non, mais du coup, tu qui le met là? Fais pas ça, qu'il la remet là. Les chaînes de tout le monde là. Ok, ok. Mais Rivenzi, tu veux pas plutôt mettre la Marseillaise, s'il te plaît? Non. T'aimes pas la France ou quoi? Bah. Hein? Enfin, ma France. Petite Marseillaise, petite Marseillaise. Pas la Marseillaise. Alors, Ultia qui prend. Ah! Qui prend map aléatoire, du coup, pour refaire des maps qu'on a déjà fait. Excusez-moi, pourquoi il y a la. Rivenzi, la Marseillaise. Je suis quelqu'un d'exceptionnel, je tenais à te dire. Ah, merci, c'est gentil. Bah, est-ce qu'on peut virer cette Marseillaise, en fait, qui pop de... Comment ça, tu n'aimes pas la France, Ponce? Ponce qui n'aime pas la France. Ouais, n'aime pas la France. On rappelle que Ponce est raciste, en plus. T'aimes pas Jean Castex ou quoi, Ponce? Qu'est-ce qui se passe? Un problème, Ponce? Je pouvais vous mettre l'hymne breton, après, si vous voulez, juste derrière, ça me fait plaisir. Ah, non, hein. Non, on parle de vrai pays, Rivenzi, s'il te plaît. Waouh. Bah, tu sais quoi? Je l'aurais pas tenté, celle-là. Du coup, je vais faire acheter son départ à Rivenzi tellement je l'ai dégoûté. Vous pouvez pas dire que j'aime pas la France parce que j'ai des potes français, donc... Et Antoine, en vrai, ce que tu viens de faire, j'espère que... Ouais, c'est bien. Ok. D'accord, ah, j'ai oublié de mettre le du jeu sur ma scène, je suis dégoûté. Tu ne mérites plus. Ça fait deux heures que t'es en train de jouer, tu vas me dire que t'as... tu viens pas nous le capter, non. Non, je l'avais enlevé pour mettre la musique de Michou vite fait, et puis bah, du coup, j'ai oublié de le remettre, du coup, c'est Mario Kart sans son. Vite fait, quoi. Super, hein. Mario Kart sans son, c'est pas. Véronique. Ouais. Oh, bien ça. Let's go. Je te check, Ponce. Je te check. Check ça. Le vase Sanson. Le vase de Sanson. Du vase de Soissons. Ah, check ça. La tapisserie de Bayeux. Check ça. Morgane. On fait les bruitages. Ah ouais, bien joué. C'est rouge, je pense. Ah putain, écoutez-moi ce gobelin, quoi. C'est incroyable. Ce gobelin. Bon, c'était JD. Harry m'a dit, tu peux me laisser. Sans la musique, c'est horrible. Comment ça, c'est horrible? On parle de Michou, s'il te plaît. Mich. Bah, fais mieux si c'est si horrible. Mais non, mais je parle de Bah, non, mais par contre, je trouve que ça a été... Vous trouvez pas que la prod est pas ouf? Genre, sans déconner. Genre, bah, fais mieux, vas-y, bah, pense. Fais mieux, mais fais mieux, en fait. Vas-y, pense. Vous êtes trop chiant, putain. Rivenzi, quand tu reviens du cinéma, genre bah ouais, fais du cinéma, vas-y, réalise un film si t'as pas aimé. D'accord. Attends, test. Non, dernier test. De mon côté. Test peu concluant. En tout cas, je continuerai jusqu'à que je retienne comme toutes ces stars que j'ai en poster. Hein? Mon rêve, je n'ai que ça. Ça non, va, je bon de la force. Non, mais je me donne du courage parce que je suis deuxième. Mon rêve, je n'ai que ça. Ça va me donner la force. Excusez-moi, je mieux pas, mais je vais maintenant passer un iPhone Live pour le raid. Merci beaucoup. Merci. Raid, je pense qu'il va gagner, il va se prendre une bleue. Rivenzi, freine, comme ça tu vas pas te prendre la bleue, tu vas faire que deuxième. Freine, je peux la touch. Oh non. Oh non, j'ai tellement pas de chance. Mais Rive, tu fais chier. Non. Cher Antoine, cher Rive, t'aurais pu. Aucune raison. Deuxième ou pas Rive? Tu fais trois. Non, c'est moi deuxième. Non, Rive, t'aurais pu faire deux. Parfait. Putain, je passe 3ème du classement. Putain, Florence, encore 9ème. J'ai pas vu la bleue. Mais oui, mais en fait, je me suis fait griller par Bowser. Je suis au bout de ma life. Après, on était au coude à coude. Duel, Bowser angle droit. Franchement, ouais. Bah oui. Terriblissime. Terriblissime. J'avais fait une course tellement parfaite. C'est juste terriblissime. En fait, Rivenzi, si tu m'avais laissé prendre la bleue, tu t'aurais été 2ème. C'est pour ça que je te le dis. En fait, Étoile, c'est un boss. Bah oui. Il dit tout le temps le contraire, mais si. Non, c'est ça qui est insupportable avec Étoile. Non, j'ai repris le jeu. Non, maintenant j'ai changé. Je dis. Ah non, mais j'ai pas dit ça, mais j'ai dit j'ai repris le jeu. Du coup, je pense que je suis bon maintenant. Oui, mais c'est vrai qu'avant t'étais vraiment à chier. Rivenzi qui remet la Marseillaise. Non, j'ai besoin d'un petit peu d'énergie. Merci beaucoup, BC, Simus McFly pour le Prime. Merci Luche TV aussi pour le Prime. Merci TCC pour le 5ème mois. Merci la chute d'Ika pour le 2ème mois. Et Glaiweer pour le 4ème. Pardon, je fais autre chose. Florence, elle fait des AFK mentales. Elle est en mode Florence. C'est la mine Wario, la mine Wario. La mine Wario. Non. Putain, vous vous souvenez de l'anecdote? Attendez, ah oui, que je vous ai raconté aux The Event par rapport à mon pote qui avait dessiné au requin. Oui. Salamèche, tout ça, quand j'avais menti, comme quoi j'avais créé Salamèche et tout. Et en fait, le mec qui avait créé au requin, j'ai dit son nom en live, et en fait, il se trouve que ce mec stream sur Twitch. Ah merde. Et du coup, il y a des gens qui l'ont retrouvé, et du coup, il a...
Il a raconté quelques anecdotes. Bah, il faudra que je check le live en question. Et son pseudo, c'est Shikitsune sur Twitch. Ça veut dire si quoi vous voulez le suivre. Tout d'accord. À fait. Voilà. Ça régale. Et du coup, tu l'as dit pour Salamèche ou pas? Hein? Tu l'as dit pour Salamèche? C'est le mec qui a fait au requin. Je lui ai dit pour Salamèche, c'est-à-dire, je lui ai dit. Bah, que bah, c'était pas de ta famille, quoi. Non, non, il le croit encore. Ah, ok, ok. Il est pas très finot, ton pote. C'est toi qui le fais. Comme quelques non, mais, par contre, j'ai vu le clip de son live où les gens lui parlent de ça. Et en fait, il disait ah, mais oui, il est bien détruit. Sûr, mais moi je le croyais pas. C'est absolument faux. Il me croyait 100%. Attends, mais c'est quoi son pseudo? Shikitsune. Et c'est pas. Il faisait ça pour te faire plaisir aussi. Ouais, hein. Ouais. Bah, si, il t'avait fait croire. Mais non, il m'avait dessiné au requin pour que je le présente. À Nintendo. Il t'a trollé. C'était juste. Il m'a trollé. Oh non, Peut-être c'était pour te faire plaisir. Il était comment au requin? Il avait du flow ou pas? Non. Il avait un flow. Il était immonde. Bah c'était fait par un enfant de CM2 quoi. C'était immonde. Ça peut pas valoir bien mieux que le spectacle de Rivenzi sur Jean-Marie Bigard quoi. Mozart il a fait une symphonie, il avait 6 ans. Mais j'ai gagné un concours. Il a fait au requin quoi. D'art plastique. Mais moi j'ai. Oh putain! Pardon, excuse-moi. Oh, j'ai utilisé ce. Mais ce tu l'as reconnu, c'est bien lui. Du coup, je ah veux oui, pas. Oui, c'est lui. Je veux pas te rouge. Je veux pas te rouge. Ah oui, c'est. Non, mais pour c'est. Viens, c'est on fou la coïncidence quand même qu'il se soit mis à. Ouais, mais fais gaffe, il y a une rouge sur moi. Ah merde. J'ai plus de rouge. C'est fou, finalement le monde en 2020, il est tellement plus petit qu'il y a quelques années. C'est vrai. Le monde a rétréci de ouf, ouais. Déjà parce qu'on est englouti par les flots. Exactement. C'est vrai que dit comme ça, c'est. Je suis sûr que ça aurait été un très beau Pokémon. Au requin. Mais j'en suis certain. Mais j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui avait fait un fanart de requin bien fait. Et c'était assez stylé. Un fanart de requin. Le truc n'existe juste pas en fait. Je crois pas de. Ok, j'ai utilisé un item. Ouais, j'ai utilisé deux champis. Oh le bâtard. J'avoue, j'ai fait le bâtard. Une avance les deux là. C'est monstrueux en fait. Oh le bâtard. J'étais en mode bah je vais pas le bombe parce que du coup il y a pas de teas et d'items. Si, ah non, mais moi c'est la guerre moi. Là, t'as raison. Alors Shikitsune, je vais aller voir son live un petit peu. Mais il est en live là. Il est en live là Shikitsune. Mais non. Il est en live. Et du coup il a pris 600 viewers d'un coup, on me dit. Ça régale. Oh là là, en plus on est dans l'asile, c'est la plus grande map. S-H-I-K-I-T-S-U-N-E. Comme ça se prononce à la japonaise. Il est sur Phasmophobia. Bah tu sais quoi, je vais follow. Soyez gentil avec lui hein, franchement. Il a 1000 viewers, il se met trop bien. Trop bien. Attends, je vais. Le sang de la veine. Attends, je vais le chapeau. Je pense que le chapeau, ça rend heureux. Ah ouais, putain, c'est énorme. Le pauvre, il est en train de dire Sandra Smith. Et en même temps, il y a Sandra Smith. Sandra Smith. C'est la folie. Mais vous êtes combien là? Moi, je vois 5 spectateurs, mais le chat, c'est la folie quoi. Quel enfer. Oh, il a 2500 specs. Il a 2400. Il a 2500 specs. Il y a trop d'amour. What the fuck. Au requin. Oui. Bah n'hésitez pas à le follow bien sûr. Oui. Et à sa chaîne merde. Ah ouais, c'est clair. Lâchez votre follow. Il peut être fou. Il a 800 followers. On fait passer 1000 ce soir. Dans la main droite. N'hésitez pas à le chapeau. C'est très très important. C'est énorme. Mais le faites pas paniquer. Restez gentil surtout. Soyez gentil. Envoyez-lui de l'amour. Je veux un maximum d'émotes de Renault dans le chat pour le rassurer. Et de cœur et de fleurs, je pense. Pour le rassurer, s'il vous plaît. Ouais. Par contre, on peut se concentrer sur le gameplay, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Merci. Il a 3500 viewers. C'est énorme. Alors, si on peut expliquer qui c'est très rapidement, en gros, Antoine, c'est quelqu'un avec qui t'étais en primaire. C'est un ami d'enfance. Qui j'étais en primaire et un peu au collège aussi. Du coup, j'ai raconté une anecdote pendant le The Event le concernant, entre autres. Et en fait, on m'a appris qu'il streamait. Et du coup, voilà. Et maintenant, il a 4300 views. Vérité. Et un train de la hype. Et un train de la hype à 100%. Aussi. Allez, ça sub à un max là. Allez, on se régale. C'est des gens qui ne la connaissent pas, je pense. Non, l'anecdote que j'ai racontée, c'est que en gros, j'étais un énorme mytho quand j'étais en primaire. Il régale, ça me fume. Et en gros, j'avais dit que j'avais créé le Pokémon Salamèche à mes amis. Et en fait, il y en avait pas mal qui m'avaient cru, et dont lui, même s'il dit le contraire. Et en fait, lui, il avait dessiné un Pokémon qui s'appelait Au Requin,
qu'il avait inventé pour que je le propose à Pokémon à l'époque. Bon, on avait 10 ans, hein. Bah oui, oui, bah oui, on s'en doute. Hein. On avait 24 ans, on avait 24 ans. On avait 30 ans. On avait 30 ans. Pardon, c'est l'année dernière en fait. Et du coup. Mais du coup, voilà. Il a 4, là, on vient de parler de lui, du coup, il a 4500 viewers ce soir. J'imagine Antoine l'année dernière avec sa cigarette électronique en train de parler. Il a un train de light au niveau 5 à 340%, je tiens à dire. What? Il est pas 347% de train de light chez lui. Vas-y, tu veux pas me mytho un truc, Antoine? C'est Shikitsune sur Twitch. Tu parles d'un Pokémon là? Tu veux pas me mytho un truc? Non, arrêtez. Elle n'allait pas parasiter en lui disant de faire des trucs et tout, il est sur Phasmophobia. Déjà que le jeu est stressant, si en plus de ça, c'est la catastrophe. Donc voilà quoi. Mais n'hésitez pas à le follow, bien sûr, il a l'air gentil comme tout. J'ai pas eu de nouvelles de lui depuis l'époque, hein, je tiens à le dire, ça se trouve c'est un connard. Ah oui, j'avoue, attends, c'est le plus gros des connards. Je ne sais pas. Il va lâcher des dingueries en live. Oh non, la délicatesse d'Antoine quoi, non mais... En tout cas, je viens de checker, il est passé de 800 followers à 1700 followers. Et ben bravo. Il passe de 2 minutes. Il est en train de live. Écoutez-moi bien, il est au train de live niveau 5 à 430%. Ah ouais. Wow. Je n'ai jamais fait ça. Ça n'est jamais arrivé. Il doit être fou. Si, il n'y avait pas un train de la hype hors live une fois. Il continue. Une fois, c'est arrivé une fois. Genre, c'était montré vachement. C'était justement avec Pensée et toi là. Ben oui, c'est parce qu'en fait, on avait parlé de l'outil que Jeff Bezos. Merci Spadab. Merci beaucoup. Je suis pas un pro gamer, mais je pense avoir un bon niveau si je m'y mets de la volonté. Oh, c'est trop mignon. Ah, je suis une merde. Je m'intéresse énormément à tous les détails techniques, mais arrête-toi. Comment tu parles de mon pote d'enfance là? Est-ce que t'as inventé un requin diabétique là? Est-ce que t'as inventé un requin étoile? Je crois pas. Antoine, je te rappelle que t'as dit j'espère que le diabète t'emporte, hein, et moi je peux pas vanner ton pote. Super. Un point pour étoile quand même. Désolé. Super. Mais j'espère pas ça du tout, étoile, merde. Ouais, t'espères juste que j'arrête de respirer. Allez, on refait Coupa Police à cause de Florence, super. Pardon? C'est la pire map. Oh, elle est super bien cette map. En même temps, Florence n'était pas là quand on y a joué. Oui, voilà. Voilà. J'essaie de comprendre ce qui. 5000% au retour du The Event. Je regarde un peu, mais ça va, il a l'air d'apprécier. Ça va? Je mets pas le son, mais je pense qu'il est un peu stressé, mais les gens ont l'air gentils. Mettez des trucs gentils dans le chat. Il a les yeux révulsés. Pourquoi vous spammez mon pseudo dans son chat? Je comprends pas. Ou des petits cœurs. Parce que, en gros, je pense qu'il. Moi, j'ai pas d'émotes gentilles en fait. Je réfléchis, est-ce que j'ai une émote chez moi? Tes émotes sont à ton image. J'ai l'émote un régal qui peut être sympa. Qui est très sympa, un régal. Ouais. Mais tout semble cynique en fait, c'est ça qui est terrible. Ouais. C'est vrai que tout semble cynique chez moi. C'est très étonnant venant de chez toi. Oh, arrêtez. Oh. Moi, je suis sympa. Ah. Ok, je vais faire une émote cœur. Non, en vrai, Antoine, je vais la dessiner sur Paint. Bien mon emoji et mon. Voilà, tu vois. Je vais dessiner une émote cœur sur Paint. Tu gâches tout, Antoine. Tu gâches vraiment tout. Ouais, donc l'amour pour toi s'arrête sur Paint, quoi. Moi. Très bien. C'est toi qui es méchant. Si, l'émote fake, en vrai, elle est mignonne. Moi, je fais sépère mon pote de CP, là. Mon gigabro de primaire, là. Moi aussi, j'ai fait sépère mes potes du CP. Je suis trop occupé à faire passer mon pote. Désolé, les gars, moi, je fais qu'écro la famille. Quel bonheur du jour. Du ultra QLF, école Descartes, à Soisy-sous-Montmorency, dans le 95, les amis. S'il vous plaît. C'est vrai qu'il est là, on fait tout croquer. Bien les bains. Les bains, ouais, tout à plus, fait. Je deviens copain d'avant, quoi. Genre, je fais un Among Us. Ouais, c'est vraiment copain CP, d'avant, c'est quoi. C'est énorme. Putain. Énorme. Du coup, il a dit qu'il kiffait mon émote Evoli. Apparemment, je pense que je vais lui dire que c'est moi qui l'ai designé pour Nintendo. C'est pour ça que c'est mon. Très, très bien, c'est le gérie de ma chaîne. Putain, Hulk, t'es vraiment très drôle. On bosse tous chez Nintendo en fait. Putain, pourquoi tu m'as mis une petite rouge là? Moi, la petite. En tout cas, il a ma viewer. Hein. Bon, n'hésitez pas à follow la chaîne et soyez sympa avec lui. Mais putain, mais. Ah, oh, c'est pas parti, j'avais une banane, gros, elle est pas partie, j'ai spammé. Je suis désolé. T'inquiète, oh, merde. C'est le jeu. Putain, pourquoi je vole ton tournoi à dimanche? Oh, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Oh non! J'ai fait full de la merde. Full de la merde. Mal là. Mon dieu. Au secours.
Il a reçu 40 mois et 40 subs et 2000 bits, c'est ça que vous dites? Bah trop bien. Bah c'est trop bien pour lui. C'est trop bien. Bah GG, je coupe juste gros GG à lui. Vous êtes les meilleurs. Putain, bonjour, il est chaud hein. N'arrêtez jamais le vélo. Il a 2K follow, mais non, mais c'est incroyable. On l'a fait passer de 800 followers à 2100. Mais genre, il doit être refait. Allez, ça on va au moins à 2400 pour tripler. Mais tu sais qu'en fait, c'est incroyable. Genre, imagine, t'es à 2 viewers. Je suis une merde. Et d'un coup, bam. Genre, mais je crois pas qu'il était à 2 viewers. Merci, Floods. Merci beaucoup pour ton message très gentil. Et là, il a... là maintenant, il est à 2700, mais tout à l'heure, il est monté à 4005. Ah, c'est ouf. Shikitsune, ça veut dire renard de la mort? Ah ouais? Peut-être pas si sympa que ça, le gâteau. Ouais, mais attention, parce qu'en fait, en fonction du pseudo, ça veut dire ta personnalité. C'est pour ça que Ponce récure les murs de temps en temps. Tout à fait, tout à fait, je travaille dans le mur. Ouais. Tout à fait. Ouais. Je travaille dans tous les murs. Arrêtez de le forcer sur au requin. Par contre, ça va devenir un truc qui va lui casser les couilles. Bah après c'est vrai de parler de requin, merde. Ah, mais après, c'est vrai qu'on t'en souviens, c'est vraiment que t'as culpabilisé d'avoir fait ça au final, non? Bah un peu, oui, forcément, évidemment. Mais après, en vrai, là, est-ce que tu te rattrapes pas ce soir? Est-ce qu'on n'efface pas le passé? Est-ce qu'on fait pas table rase? Ouais. Complètement. C'est une vieille émission de télé. Vous aviez perdu votre ami d'enfance de vue. Il est avec nous ce soir en plateau. Oh non. Et le mec apparaissait derrière un rideau. C'était en mode putain, c'est ouf quoi. Putain, le circuit Animal Crow. Ah mais attends. Il dit qu'il sur le Discord. Ouais, il dit qu'il a refait le dessin de Auroquin sur le Discord d'Antoine. Oh énorme. Il faut aller checker ça de suite. Après la course. Après la course, je vais check. Je m'en fous si je. Tu nous envoies le lien. Je vous envoie le lien, bien sûr. Attends. Est-ce que vous pouvez le mettre, genre, les modos en message épinglé sur le salon art, s'il vous plaît, que je le vois assez facilement. S'il vous plaît. Peut-être déjà épinglé. Peut-être. En tout cas, c'est très important. World Premiere Auroquin. Auroquin, the new Pokémon for the new generation. World Premiere. S'il te plaît, fais bien l'annonce. Mets une petite musique un peu hypante et tout, franchement, ce serait grandiose. Je vais mettre la musique de Smash, hein. Ah oui. Oula, elle est sacrée cette musique par contre. Bah mec, Auroquin c'est pas sacré peut-être? Bah moins que Smash. Est-ce que Auroquin a plus de flop Pac-Man? Je ne crois pas. Moi je pars, on va voir cette musique. On sait pas encore. Moi je pense que oui. En vrai, Ponce, go jouer à Smash après. Go regarder Auroquin. Mais moi, étoile, je suis un peu chaud. Un peu chaud, Steve. Il est pas chaud, Antoine, il est un peu chaud. Je suis un peu chaud. Antoine, il faut que tu vois mon Steve, par pitié. En vrai, j'ai une mi-chauffe, là. Ah, mais en vrai, oui, j'ai jamais testé avec Steve. En vrai, je suis chaud. Juste mon Steve. Oh non. Allez, hop, c'est parti. Merde, on joue à Smash après, c'est confirmé. Non, attends, non. Attends. Calme-toi. On va cliquer au requin. D'accord. Mais je suis trop nul. Putain, mais il dessine encore, du coup, ça veut dire. Je suis c'est amélioré depuis qu'on travaille. Depuis les 10 ans, j'espère. T'imagines bah, le mec. Moi, c'est pas mon cas, moi. Oui, mais lui, mais il dessine. Mais attends, mais c'est vrai. Pas ma gueule. On revient de Scriblio et c'est vrai. Bah oui. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Après, t'as un petit niveau, quand même. Oh, les bâtards. Après, tu dessines mal, mais j'ai trouvé, dès que tu dessinais, je trouvais. Hein. C'est vrai. Pardon, étoile. Pardon, je t'ai vu mourir. Merci, bon. Quoi, ce que j'ai quel fait quel backspam. J'ai fait la tête. Quelqu'un a épinglé dans Arr. Arr, message épinglé. Oh putain. Envoie l'adresse. Il s'est pas spécialement amélioré, mais. Mais est-ce que c'était ça? Je vous l'envoie dans ton salon, Ponce, dans. Je vous le montre sur le live juste après. Mais du coup, il s'en souvenait, lui? Parce que toi tu t'en souvenais parce que tu culpabilisais un peu, mais lui, non, genre, non, il mais lui s'en souvient. Ouais, c'est ça. Attends, je vous le montre. Oh, let's go, il est magnifique. Je l'ai mis dans le salon en stream. Ah, il est tu nous dis qu'on peut le montrer, on attend ton top. Et là, je le montre. Ok, je l'ai montré. Ok, on le montre. Aussi. Ah, au requin, les amis. Au requin, messieurs dames. World premiere. Oh my god. Au requin. The new game from Pokémon. Wow, c'est. This is. Shark water. Water shark. Il a tout simplement une AK-47 sur le dos. Il a une Gatling sur le dos. C'est extraordinaire. Je suis le shark. Bra 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 ratatatata. Ça c'est au requin, tu vois. C'est incroyable. Il parle comme ça, genre au requin, il fait ratatata.
Cortex. Il fait comme ça, le requin. En vrai, c'est plutôt bien dessiné, je trouve. Moi, je trouve ça ok, en vrai. Honnêtement. Ouais, en vrai, ça va. Non, ça je suis assez sérieux, en vrai. C'est vrai que c'est Nintendo friendly as fuck, ouais. C'est très Nintendo friendly. Bah attends, il y a bien Tortank, il a des canons sur le dos. Bah ouais. Donc c'est dessiné par le canon à eau, ça n'a rien à voir. On s'en oui, mais on s'envoie des bombes, peut-être des gouttes d'eau dans Mario Kart. On s'envoie des bombes dans Mario Kart, les amis. C'est un peu une influence. C'est un peu une influence Gad Elmaleh avec d'autres humoristes, quoi. T'as vu Tortank? Ouais. D'accord. Mais comment, mais mec, t'arrêtes de la critiquer au requin tout le temps là? Non, c'est un hommage. En croisade contre requin en fait? Croisade contre requin, ça va aussi. C'est quoi ce délire là? Quand je vais en croisade, t'es juste super jaloux en fait, mec. Moi je suis un peu en croisade là. Bah bro là. Il est de quel type? Bah je pense qu'il est de type combat. Au combat, ouais, je pense. Ouais, au combat. Au combat. Connaissant un peu le requin. Au requin, au combat, classique quoi. Au requin. Il était type au requin quoi. Maintenant il y a les comment ça s'appelle quoi les requins dans Pokémon là. Putain, Riven's Wild. Charpedo. 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 Ah oui, Charpedo, il fait mais c'est quoi ce ah, nom oui. Je te jure mec. Requin oui. Pédo quoi. Tranquille. Et au en calme. Fait, il te suit, il te harcèle et tout, c'est horrible, on dirait un mec en boîte, genre c'est insupportable. On dirait un mec en boîte. Normal. Eh, arrête de faire ton Charpedo, wesh. Tu peux hein. Tiens, c'est très bien tenté, dommage. Je t'ai pas touché. Non. Ouh, je savais que t'allais le prendre comme ça et je suis tombé. Ah non, même pas. Attention à la bleue. Ah putain, la bleue. Ouais, de merde. J'ai prévenu, hein, j'ai prévenu. T'as bien fait, t'as bien je fait. Je prends 154 bleus comme si j'étais un rugbyman. Putain. Comme si j'étais un rugbyman. C'est pas validé, hein. Moi, je l'avais. Charpedo. En vrai, ça fait badé, hein, Charpedo comme nom, je trouve. En français, c'est ouais, immonde. C'est... Oh non. Oh non. Oh non, pas ici. C'est affreux. Oh ouais, pour ce qui promet avec une red. Ça l'a pas touché Riven's Wild. Ça se passe tellement mieux depuis que j'ai pris la scoutinette, par contre, c'est abusé. Moi, ça se passe mal. Je vais faire double cut et je vais faire. Ça passe très mal. Je t'annonce. Au fait, j'ai une confession à faire à Antoine ce soir. Ah, oh là. Un truc. La voix de la. Que j'ai assumé la dernière fois en live et vraiment, c'est la honte de ouf. Oh, ah, oui. Mais je pense qu'il faut que je te le dise. Oui, Ultia. Tu vois la photo que je t'ai envoyée pour le Skyblog? Bien sûr. Ouais. Et oh, c'était la pas semaine si t'as dernière. Capté, mais déjà, JD, je te déteste. Ah, je sais pas si t'as capté, mais. mais genre, il y a des posters de Tokyo Hotel derrière, donc ça, c'est bon. Ok, ça on avait vu, ouais. Est-ce que t'as pris la photo quand je t'ai demandé de m'envoyer une photo, en fait, Ultia? Non, pas du tout. Mais je sais pas si t'as capté, mais en fait, il y a une carte postale avec la croix de Lorraine dessus, derrière, dans le décor. Ah bon, non, j'ai pas fait gaffe, c'est donc. Voilà. Ouais. Et il y a une histoire à cette carte postale avec la croix de Lorraine dessus. Ok, oui. Et en fait. Bah, il faut savoir que quand j'étais ado, mon père m'a traîné à colomber les deux églises pour que j'apprenne Charles de Gaulle et la Croix de Lorraine. Ah, je m'attendais à bien pire. Et en fait, je trouvais que la Croix de Lorraine, ça ressemblait au logo de Tokyo Hotel. Ah ouais, t'étais genre ultra fan. On parle de cette photo, hein, bien sûr. Oh la catastrophe. Ah oui, d'accord. Aïe. En fait, De Gaulle était juste un méga fan de Bill Kaulitz, quoi. Ouais, complètement. Il prenait du crack lui aussi. Quel enfer. Non, c'est un bonheur. Ce qu'on est en train de vivre ce soir, c'est très mignon, c'est très mignon. Voilà. Et après, c'est très bizarre. Et après, vous demandez pourquoi il n'y a pas des postes à Switch toutes les semaines. Hein. C'est vrai. Alors, en même temps, il nous faut un peu de temps pour nous remettre. Ouais, il faut s'y remettre aussi, quoi. C'est bon aussi. Oh yes, la meilleure map. T'as décidé de voter Ego Piranha. En vrai, il y a un air de ouf. Du streaming. Exactement. Mais Ego Piranha, c'est le feu. Exactement. C'est pas. On me dit que Charpedo est dans Pokémon depuis 2002, rien de nouveau. Ah putain. D'accord. Quoi, mais j'ai quel âge? C'est impossible, il est nouveau lui, non? Charpedo? Il est pas nouveau, Charpedo aussi. Plus vieux que je pense. Non, c'est 3ème gen. Ouais, c'est ça, c'est genre. Ouais, Ruby Saphir. En fait, c'est l'évolution. De Gaulle avec Eddie Clou. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai enfin réussi mon démarrage turbo. Let's go, Florent. Il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Bravo. Bravo. Ah, mais tu prends toutes les pieds, Ponce. On dirait la vraie vie. Je prends toutes les pièces. Genre, je suis là, je ramasse des pièces. C'est vrai qu'il est très fortuné, Ponce. Effectivement. Je suis extrêmement riche. C'est vrai qu'il est vénal. Bah ouais, je ramasse tout. Quelqu'un de raid par Jean-Michel, enfin Jean-Luc Mélenchon. Ah, moi, j'ai rien demandé, hein, encore une fois. Arrête. Mais oh! On connaît les inside, on sait on très sait bien. Pour qui tu veux. Mais fermez-la! C'est pour qui tu veux. Mais fermez-la! Il t'arrête, c'est pas pour rien quand même. Yes! Ponce, on t'a déjà vu en soirée quoi. Et je fais quoi? Ah oui, quand je chante. Oui, c'est vrai.
Bah oui, je rappelle que ton paillasson, il y a marqué front de gauche dessus, quoi. C'est vrai, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je chante l'international tous les matins en me levant, la main sur le cœur. C'est vrai. Rappelle que sur FIFA, tu peux pas mettre un maillot d'une autre couleur que rouge, quoi. Exactement, je ne joue que Monaco ou bien Rouen. Bah oui. C'est vrai. Bah Monaco, c'est pas très. Non, mais la couleur. C'est qui a fait ça? La couleur. C'est front de gauche, quoi. La couleur. Oh, je suis derrière Marcotte. Non. Si. C'est moi. Je repasse devant. Est-ce que vous êtes prêts pour ce cut exceptionnel, le chat? Il y a quelqu'un qui a écrit dans mon chat: Ponce est juif, point d'interrogation. J'ai peur d'être ban avec ces. J'ai peur d'être ban avec cette vanne, mais je tente. Il s'est fait bannir. Il s'est fait bannir instant. Bien tenté, mais le résultat était direct. C'est bon. Le coup dur. Ah, désolé. Ouais. Il fallait essayer, hein, pour il fallait. Non, mais il fallait essayer, il faut tester. N'hésitez pas à tester, hein. N'hésitez pas. Il faut tester. Faut. Tant qu'on fait pas, on ne sait pas. Putain. De toute façon, on peut plus rien dire, hein. On peut plus rien dire. À l'époque de De Proches, c'est la pire phrase, putain. À l'époque de De Gaulle qui écoutait Tokyo Hotel, là. En vrai, franchement, ça ressemble grave. Ouais. Encore en train de se justifier. Oh, let's go! Le run est propre! Oh non, Ouais, les gars! Et ouais, les potes! Oui, en vrai, le cache est hyper efficace. En fait, il fait gagner beaucoup de temps si tu le prends bien. La censure. Le pauvre, c'est rude. Non, mais il s'est pas pris un ban def. Je crois que, selon ce que j'ai vu, il s'est pris un ban 10 minutes et puis voilà. Ce qui est gentil. Ce qui est franchement gentil. Ce qui est franchement en fait, c'est une question perso, quoi. Je vais voir un Chikitsune maintenant. Ah non, c'est même le message qui a été supprimé. C'est même pas un ban. Ah bah oui, mais non, ça va, là. Oh, ça va. Il y a 2300 followers maintenant, Chikitsune. Bravo à tous. Oui, bien joué, bravo à tous. Eh bah, bravo à tous, Chikitsune, qui est maintenant le 12e plus gros streamer français depuis ce soir. Comme énorme. Rappelle, hein, c'est le petit renard de la mort de son prénom, comme on l'appelle. Petit renard. Petit renard, ouais. Mais du coup, t'étais quand même sympa en copain de classe, quoi, même si tu faisais des faux espoirs. Ouais. Ça va. Pas trop. Pas trop. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Mais non, regardez ce qui a été fait sur Twitter, c'est un truc de ouf. Quoi, il y a des gens qui ont un montage de Tom Collins, c'est moi à la place de Heidi Klum. Mais quoi? Aïe, aïe, aïe. Où ça? Pourquoi tu votes ça, Rivenzy? Je te déteste. Tu peux RT Ultia. Tu peux RT, ouais. Cette course, elle me rend trop triste. J'ai plus envie de jouer. Je vais jouer à GeoGuessr. Oh, merci, quoi, Satsuke. Elle me rend merci trop beaucoup. Triste, cette course. Merci à Doritos. Elle est bien, mais t'es encore plus triste en jouant à GeoGuessr. Cette course me réprime. Vraiment, elle me déprime. J'ai plus envie de vivre. Je suis content de vous avoir mis celle-là, en vrai. Moi, j'aime bien. Je la remets après, je la remets après l'image. C'est parti. Parapapapa. Très, très belle image. Parap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 a. Et c'est vrai que t'es pas mal en blonde, là, en vrai. Ouais, ça va. Personne me suit, super. Si, moi j'écoute, j'aime bien. Hein. Je savoure la musique, Antoine. Si, moi aussi je suis en pleine musique là. Attends, Antoine, tiens. Putain, je viens d'arriver, je comprends rien. Bah, bienvenue, non mais installe-toi. Installe-toi. Souvent comme ça. Ouais, il faut un petit temps d'adaptation, on va te le cacher, mais une fois que t'es dedans, après. Une fois que t'es dedans, normalement tu passes un bon moment, mais. Mais c'est vrai que. Oui, bah, Laisse le temps. Avec tous mes amis. Ah, mais qu'est-ce qu'il barre avec une étoile là? Ah, je sais pas, il est encore bourré. Merde! J'ai jamais pu boire de l'alcool parce que mon pancréas ne marche pas. Ah, c'est pour oh ça. Oh là là là. Il va y avoir une carapace bleue! Je la suis pris en plein dans la gueule. Excusez-moi, les amis. Énormément de plaisir! Excusez-moi, les amis. J'ai pas fait exprès, je savais même pas que j'avais ça dans la main. Pour le plaisir! Putain, mais j'étais deuxième toute la game. Ah, c'est plus première. Ah, c'est plus première. Je suis pris. Non, j'étais premier. Quelle course de merde. Non. Putain de course à chier qui a aucun sens, qui a aucune vision de la vie. On s'amuse pas, on prend aucun plaisir. Si, en vrai, c'est ok. Allez, première place. Ah bah oui, première place. Mais ta gueule, étoile. Tu saoules tout le monde. Ça fait des mois qu'on veut te le dire. C'est une intervention, étoile. Je fais un tout passer tout devant moi, bande de merde. Oh là là, mais il est insupportable et laid en plus de ça. C'est vrai qu'il est laid, je suis d'accord. C'est vrai qu'il est moche. C'est pas vrai, toi, t'es très beau.
J'ai tué sable 2000 fois, quoi. Merde. Ah. Ça dégoûte la vie. T'as fait tomber ton chandelier, Ultia. Le chandelier d'Ultia est tombé. Ah, merci beaucoup, Lord Sardo, pour le troisième mois. Merci beaucoup, Max, pour les deux abonnements offerts. C'est très gentil. Merci beaucoup. Cristalline. En vrai, ça te va vraiment bien, blonde Ultia. Je pense que tu devrais y réfléchir. Attends, je vois la photo. Franchement, Heidi Klum, elle peut aller se rhabiller. Ah oui, Heidi Klum est éclatée au sol. Attends, elle ressemble à quoi? Ça s'écrit comment? Heidi Klum. Éclatée au sol. Heidi Klum. Éclatée au sol. Heidi Klum. Bah, je disais Klum, mais on m'a dit ça se prononce Klum. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? K-L-U-M. C'est écrit W-Z-C. Et c'est un meuble. C'est un meuble Ikea, Klum. Le Klum. Je suis heureuse pour toi. C'est un meuble. Je te jure, Klum meuble. C'est une marque de meuble. Le Klum. Je t'appelle. Le Klum. Le Klum du spectre. Oh, la prairie meumeux. Let's go. Oh, prairie meumeu. Yay! C'est moi qui l'avais choisi ou pas? Tellement oui, bon. Non, je crois que c'est moi. En fait, je l'ai pas choisi, je suis désolée. Ah, c'est ça la photo d'origine? Je regardais le truc d'Ultia. Ah, elle est jolie pour une blonde quand même. Je regardais. Putain. Ouf. Ah, l'ambiance est délétère. L'ambiance est délétère. Je colle. C'était gratuit sans raison. Il y a une sorte de blanc de ouf. Oh putain, l'ambiance. Oh, l'ambiance complètement niquée. DRL, le repas de famille. De toute façon, ta tonne, c'est une conne. Oh, l'ambiance est délétère. Et de toute façon, ma tante, c'est ta mère et c'est une pute. Ouf. Délétère l'ambiance. Délétère, le mot est faible. Le mot est faible. Hop là. Pif, pif. En tout cas, je trouve qu'on va bien ensemble quand même. C'est vrai que vous allez plutôt bien ensemble, en vrai. C'est vrai que vous allez bien ensemble, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je te trouve plus belle qu'elle. Après, en même temps, vous avez 30 ans d'écart. Ça joue peut-être aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu fanée, quoi. Non, c'est pas. Non, c'est pas vrai, ça va pas ou quoi. Ça va pas ou quoi. C'est horrible. Elle n'est plus dans sa prime jeunesse. Oh là là, c'est horrible. Non. Ah la mort, les chapeaux pour Ponce, quoi. Non, mais. Non, c'est Rivenzy qui a dit. Quoi? Non, mais l'échafaud pour Ponce quand même. Non, mais fermez-la, pas l'échafaud. Mais j'ai rien fait, pas l'échafaud pour moi. Mais sur le dommage collatéral des conneries de mon pote. Allez, tu mentes. Non, j'ai rien fait. Non. T'imagines juste avant de mourir? Non, mais je n'ai rien fait en fait. Mais c'est pas moi en fait, putain, je vous ai dit encore. Mais c'était qui? Pas moi. On dit que c'était Mister JD. Ouais, c'était moi depuis le début. Oh, t'es pas drôle, Ponce. Oh, non, t'es vraiment pas un mec drôle. En vrai, ça dépend des jours, mais il y a des fois où j'ai un peu d'humour quand même, Étoile, s'il te plaît. Non, en vrai, t'es vraiment pas drôle. Oh. Je refuse de finir cette course, je suis indigné. Oh non, Étoile, non. Il se fait bouffer par Mister JD, du coup. Non, je refuse, je serai... J'attends Marcotte. Non, tu la mets pas. Ouh, putain. J'attends Marcotte. C'est bon, j'attends Marcotte. Je refuse. C'est bon. C'est la fin de la course. Je fais la grève. Je gilet jaune cette course. Décide de faire 11e. J'essaie de. C'est bon. Mettez 10e. Ah, j'ai raté. Merci Shemka pour le 11e mois et merci Lulux du 26 pour l'abonnement. Merci que, beaucoup. Parce que j'ai regardé 8e et plus 9e parce que toi il a attendu. Non, j'ai pas attendu. Oh. J'ai juste été détruit par mon passé. C'est pas la même chose. Arrête Florence de me diffamer. Très bien. Ah, j'ai juste sucé la barrière. Alors quoi, Pompon, pour fêter les 8000 subs sur la chaîne, c'est vrai putain, mais 100 000 pétales, je propose un raid sur Jaune d'Alain 34, il lui manque moins de 3000 vues pour atteindre le million. Mais je pense que Falcon Poulet, le million, je pense qu'on l'atteint soit cette nuit, soit demain matin, hein, je pense, le million de Jaune pour Alain. On y est quasiment, il n'y a pas besoin de raid ni rien, on y est quasiment. Merci Love That Stuff pour le prime, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée, les fleurs, avec tous les potes. J'espère que cette ambiance délétère ne vous déplaît pas et que vous vous marrez, c'est le plus important. En tout cas, moi, je me régale, ça me fait super plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour MK. C'était un régal.